Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de formation de la CEF. Alors, nous allons commencer cette grande journée par une première table ronde sur l'engagement des ethnologues, si je ne me trompe pas dans ce programme riche et dense. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, je vais demander aux intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être là, de s'installer. Et puis, on va commencer cette séance. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. On va commencer cette séance par un petit film, Thomas, c'est bien ça ? L'extrait d'un film. Merci Aurélien. Donc c'est l'extrait d'un film qui va illustrer ce thème de cette première table ronde, l'engagement des ethnologues. C'est un film qui met en scène un linguiste plus qu'un ethnologue, un linguiste estonien qui s'appelle Indret Park et qui travaille sur une langue dont il reste plus qu'un seul locuteur sur les rives du Missouri, dans le Dakota du Nord, la langue mandan. Et on le voit donc non seulement documenter cette langue, mais ensuite se demander comment il faut faire pour qu'elle soit encore pratiquée, parlée. Et ce film, c'est un film qui a obtenu le prix du patrimoine culturel immatériel au Festival Jean Rouch, il y a 2 ans. Et donc on va voir un extrait d'à peu près 5 minutes de la fin de ce film. Merci. Ah pardon, c'est ça. See aasta lõpuks on asi selge, et kas tuleb välja sellest programmist midagi või ei tule. Sest kõige vanemad lapsed on juba siis nii vanad, et peaksid hakkama rääkima. Ja mis siis saab? Kui tuleb välja, siis jään veel mõneks aastaks. Sest nende keele materjalidega ma saan ju siin ka tööd teha. Kõnelejaid enam pole tähtis, kus kohas ma nendega tööd teen. Ja ainult, mis mind seal praegu kinni hoiab, on see väike õhkõrn lootus, et äkki lapsed hakkavad rääkima. No muidugi koolis õpetamine ka ja kogukonnatunnid, aga see on kõik sellise kõrvalise tähtsusega. Kui ikka siin keele elu äratamisest jõuds käib. Hakkan manaks ka jääma, enam ei jää endale sõnad nii hästi meelda. Need on mu selline tegelane. Peaks ka ta sinna viima ja hakkama mandani keelt õpetama. Aga muidugi siin ta oodates pani lapsele mõmmi abitse ja nüüd kui ma sinu nägu asemele tuli, siis ta muutus kohe ootuks lapsest laste saada. Venik, mis jälte puss? Mis sealt lõvi teeb? Aga mis sealt karu teeb? Nüüd see õim hakkas uue programmiga pihta. Õim maksab noortele huvilistele, noored täiskasvanud palka sellest, et nad veedaksid võimalikult palju aega keele rääkijatega koos ja siis nad õpivad. Ja mul on nüüd oma jüngeid olemas. Issa, nüüd ma saan nii aru sellest, mis Ebin tundis. No seda vaata, nad kogu aeg sul jooksalt küsitakse mingit, kas nime tõlkimist. Ma nõusid, siis ma pean kõva äälega räägima, et nüüd pesen nõusid, nüüd võtan selle ladriku kätte ja panen sinna see, kui peame. Aga selle asja mõte on see, et nad omandavad keele lihtsalt järgi rääkides, mitte õppides. Rindrek. Praegu sul endal on tunne, et see laste keelekümblus, et see on konkurentsist välja pudenud, see vähemalt või ei ole? See laste keelekümblus jätkub ka, aga ma lihtsalt ei jõua kõike teha.
kool täiskasvanute keelerühm, siis on see lastekeele kümblus Sõimes, pluss on nüüd veel need varjud, kes mind saadavad ja õpivad keelt, pluss pean ära lõpetama hidatsa keele pooleli olevad projektid, et lihtsalt kõik ei ole võimalik ühesuguse intensiivsusega teha. Oi, Leeli, mis sa teid seal? Kõttel. Oi, kas on maitsev? Anna esile ka amps. Anna amps isiga. Amps. Anna amps. 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 Oi, kui hea. Nõm, 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 nõm. Est-ce que nous pouvons juste mettre les PowerPoint, s'il vous plaît? Sauf que c'est toi. Oui. Non, avec ça. Avec ça. Non, tu peux parler ici. Ah, d'accord. Oui, tu parles avec ça. À 8 minutes, tu me dis. Ah non, mais. C'est moi. Voilà. Vous pouvez lancer le truc. Ah ben c'est moi, attends. Tu l'as mis dans quel ordre le temps? J'appuie. D'abord, Pierre, ensuite. D'accord, ok. J'appuie. Là, c'est danger. Ouais, formidable. Bonjour, bonjour et merci d'avoir invité à cette matinée une sorte de marginal, un engagé amateur très, très, très local, et celui qui s'engage devant sa porte, si j'ose dire. J'essaie de réfléchir à ce qui m'avait amené à être un anthropologue qui, tout en étant un anthropologue parfaitement classique, standard, exotisant, avait essayé de s'engager aux côtés de gens qui étaient sans voix. Et je ne vois pas d'autre explication que ce bon vieux dicton, si chacun balaye devant sa porte, toute la ville sera propre. Donc, en l'occurrence, dans plusieurs circonstances exceptionnelles, j'ai trouvé qu'il fallait faire quelque chose pour les gens. Je me suis tourné à gauche, je me suis tourné à droite. Il n'y avait personne d'autre, donc j'ai essayé de me lancer dans ce qui n'est absolument pas ma spécialité. Donc c'est un cas discret, d'engagement discret, mais peut-être beaucoup, beaucoup moins banal qu'il n'en a l'air. Hein. Chez les gens dont je vais vous parler, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la forêt n'est pas menacée, comme vous pouvez voir le relief. Enfin, on peut toujours envoyer un hélicoptère pour récupérer un arbre qui vaille vraiment beaucoup de sous, mais ça ne se fait pas. Finement, les réserves de gaz naturel sont juste au-delà des dernières crêtes, c'est-à-dire dans un no man's land, là où personne ne peut revendiquer des droits. Le pays tranquille. Alors la photo, c'est 2850 mètres d'altitude. Ce n'est pas intéressant de savoir que c'est la province du Morobe derrière, que là, vous regardez la province du Golfe, donc de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et que sur la droite est la province des Eastern Islands Province. Ça n'a aucun intérêt, sauf que ces trois provinces correspondent à des traits tracés sur une carte, avec un crayon et une règle, par des puissances coloniales à la fin 1880. Résultat pratique, mais je ne sais pas comment on fait pour pointer. Peut-être ça pointe, ça? Ah non. Non, je ne pointe pas, c'est pas grave. Oh là là! Je vais... Le vert. Oui, c'est vrai, ça recommence, merci. Donc, je savais bien que j'y goterais un moment ou un autre. Oui. Il n'y a pas de souci, ça marche comme ça. Oui, non, mais ouais. Pour pointer, je voulais juste une petite lulume. Non, il n'y a pas. Non, mais je suis en train de perdre 14 de mes secondes fondamentales. Bon, non, ne vous inquiétez pas. Voilà. La petite tache un peu verte au milieu, c'est là où je travaille, où je suis passé pour la première fois il y a 40 ans. Et c'est là où je travaille avec une collègue du CNRS qui s'appelle Pascal Bonnemère, qui est également la mère de mes enfants et mon épouse, mais ce n'est pas le sujet. Et, enfin, encore que. C'est important de travailler à deux dans une société comme celle-là. Donc, ce qu'il faut voir, voilà, quand vous êtes là, vous êtes à 6 jours de marche du centre administratif censé s'occuper de vous. Et comme je fais aussi de l'anthropologie historique, je peux vous dire que personne n'est jamais venu de la mer à 6 heures de marche pour s'occuper de ces gens-là. Des gens sont venus de derrière mon dos, ou derrière les arbres, derrière les pandanus, pour des expéditions militaires. C'est des gens paumés à la frontière de trois provinces. Donc, quand je suis arrivé
pas là en 1982, la photo de 87, mais ça ne change rien. À part la guerre qui avait cessé, parce que l'État leur avait dit « c'est pas beau de faire la guerre », et du coup, ils ont arrêté de faire la guerre en 1972, et ils étaient sortis de leur vallée en 1953, après qu'on leur a expliqué que les voisins n'étaient pas cannibales et qu'ils ne craignaient rien. Les gens continuaient de vivre leur vie culturelle normale, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, une famille invite les 3, 4 ou 5 maisonnées autour de chez elle, disons dans un rayon d'une heure de marche, à manger de délicieux tubercules, des taros et des patates douces, agrémentées d'une merveilleuse sauce, du pandanus rouge ou du panjou médulé, tout ça c'est pas important. Donc tout ça fonctionnait très bien. Continuent à faire leurs initiations masculines, même si la guerre était commencée à devenir un peu loin, mais à chaque fois que j'ai vu les initiations masculines, la première phrase est « Maintenant que tu as vu ça, est-ce que tu vas te barrer quand les ennemis viendront tuer ta femme et tes enfants ?» Donc les initiations masculines, notamment, sont liées à la menace de guerre qui pèse sur ces gens. Donc ça, c'est la dernière fois qu'on a percé le septum nasal, c'est les initiés du premier stade, c'est 1994. C'est aussi 1994. Alors, j'ai mis cette image pour vous montrer que je suis en train de vous parler de quelque chose qui n'est pas mon métier. Mon métier, ce serait de vous parler pendant une heure de cette image qui pourrait faire s'évanouir Maurice Godelier. Que des initiés du premier stade reviennent près des femmes, c'est pour un barouilla, c'est immonde. Pour Godelier, c'est simplement anormal. Et pour Pascal Bonnemère et moi, c'est un problème sur lequel on réfléchit depuis des années. Donc, ouais, ils faisaient leurs initiations. Ils continuaient d'être non-chrétiens, alors même qu'ils avaient déjà chassé 5 missionnaires pour adultère, les missionnaires papous pour adultère, et ils continuaient d'être non-chrétiens, ils chassaient les morts. Ils chassaient les morts, ça veut dire que les morts, pour eux, ne vont pas au paradis. Alors, comme cette photo remonte à une époque où nous étions sous les coups de l'anthropologie historique, de l'Océanie, on disait c'est primitiviste, tes images, le Monnier. Donc d'abord, petit 1, on ne demande pas aux gens de retirer leurs plumes s'ils ont envie d'avoir des plumes. Et 2, 15 ans plus tard, avec des haillons récupérés à droite ou gauche, les gens continuaient et continuent jusqu'au moins jusqu'à 2015 à chasser les morts. Ils ne vont pas au paradis, j'ai jamais vu une tombe avec une croix, j'ai jamais vu un cercueil. C'est comme ça. Et le jour où ce type de cérémonie s'effondrera, mais je suis beaucoup trop long, là, une grande partie de la culture s'effondrera. C'est dans un livre qui s'appelle « Le sabbat des Lucioles » que j'ai écrit. Voilà. Au moment où je suis arrivé chez ces gens, en 1987, ils étaient en train de préparer une piste d'aviation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas d'infirmiers, pas d'instituteurs, pas de boutique avec 2 kilos de riz et 3 paquets d'allumettes, pas de représentant local de la démocratie locale, rien. Il n'y avait personne, personne. Donc eux trouvaient qu'ils n'étaient pas des porcs et des chiens. Et vu que de l'autre côté de la montagne, simplement à 2 jours de marche, même si le franchissement de la montagne, c'est une heure avec les pieds et les mains, ce qui n'est pas facile de passer un enfant malade vertical avec la 4 avec les pieds et les mains, eux, ils pensaient, comme beaucoup d'endroits isolés en Nouvelle-Guinée, qu'il leur fallait une piste d'aviation, parce que quand vous avez une piste d'aviation, l'infirmier futur ou l'instituteur futur reste. Un fonctionnaire papou, ça, papou de Nouvelle-Guinée, ça touche sa paye tous les 15 jours. Et généralement, ça boit sa paye. Donc, 2 jours pour sortir, 1 jour pour s'acclimater, 1 jour pour toucher la paye, 3 jours pour boire la paye, 1 jour pour essayer de trouver des crayons ou du bandage ou des antibiotiques. Bref, les gens ne sont jamais là. Donc, la piste d'aviation, ce n'est pas une efficacité absolue, mais c'est une condition nécessaire. Donc, les gens ont commencé, y compris ce monsieur à gauche, là, qui a la pelle dans la main. Lui, je l'avais vu dès 1982 tirer un petit morceau d'écorce sur lequel il avait mis avec sa machette un peu de terre et il tirait ça avec un lien de rotin. Pépère était en train tout seul de fabriquer sa piste d'aviation. En 1994, on était encore là. Je vous fais une histoire très brève. Je me suis, puisque mes 1001 rapports ne menaient absolument à rien, bien vu, y compris lorsque j'ai écrit à la reine d'Angleterre, que les gens m'ont dit, Pierre, m'ont donné un petit gribouillage, on m'a dit, tu portes ça à Mama Queen. Mama Queen, la reine, qui n'est pas une femme. Elle a des seins en haut et une queue de poisson en bas. Et vous avez 10 minutes pour trouver pourquoi. Enfin bon, ils ont vu une photo du mariage un jour et puis c'est tout. Bref, ils m'ont dit, ils avaient fait un petit mot qui était du genre, Elisabethy, d'abord c'est pas ton nom, grouille-toi de venir. Donc j'ai traduit et j'ai envoyé Les tambours de l'oubli, qui n'est pas ici, mais qui était un livre qu'on a fait avec Pascal Bonnemère et qui se trouve à la librairie du musée du Quai Branly. J'ai envoyé le bouquin à la reine d'Angleterre, qui a fait répondre par sa chef, je ne sais quoi, qu'elle transmettait à la coopération. Il ne s'est évidemment rien passé.
Bref, on a amené un bulldozer de 7 tonnes avec un hélicoptère russe dont les pilotes étaient en stand-by à Moscou. L'hélicoptère est tombé en panne. Il est resté pendant 10 ans au bord de la piste. Et un jour, sous prétexte que je faisais une enquête sur l'état de l'épidémie de rougeole, on a pris des pelles, les gens ont pris des pelles et des pioches, on a enterré le bulldozer. Et depuis 2011, des avions se posent. Alors, non seulement des avions se posent, mais la petite cabane la plus visible est une infirmerie. La cabane du milieu est une chapelle d'une secte évangéliste suisse-allemande, Evangelical Brotherhood Church, pas très active mais têtue. Et l'autre maison dans le coin à gauche est la maison d'habitation. Par les temps, on a aussi fondé une ONG avec des gens de la Clinton qui ne pouvaient plus travailler en Papouasie parce que la corruption était trop forte. Donc ils ont décidé, ces très braves gens, de monter une ONG de droit américain pour s'occuper uniquement de cette vallée. Ça s'appelle Indigenous Health Solutions. Si vous tapez Ikundi ONG, vous trouverez. Et depuis petite dizaine d'années, moins que ça, non, depuis 3-4 ans, on a un infirmier semi-permanent, c'est-à-dire un monsieur qui reste là peut-être 3 semaines, toutes les 5 semaines, ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ça, c'était mon premier truc. Donc, c'était ce réveil et on partait. Il y a 30 et quelques années, je me souviens, on part pour Noël, pas pour Noël, mais juste pour aller se retaper. On voit un petit nourrisson bien dodu de 4 mois et on se dit bêtement l'un à l'autre, tu vois, au moins celui-là sera là à notre retour. Vous revenez, le nourrisson est mort. C'est une région où la mortalité est de 350 pour 1000. Vous demandez à n'importe lequel de vos copains proches, des gens qui savent qu'il faut se laver les mains, bien avaler les antibiotiques pendant 4 jours, combien tu as eu d'enfants ? 6. Combien sont vivants ? 4. C'est comme ça. Bon, ça, les femmes meurent en couche, situation épouvantable. Et encore une fois, quand vous vous retournez, il n'y a personne. Ce n'est pas mon métier d'écrire des rapports. Ah, si, eux, les encavés, ils s'appellent les encavés, ces gens-là, les encavés utilisaient des mots magiques. Riposte, écrit un rapport. Prime Minister, va voir ton premier ministre, Mama Queen, causant à la reine. J'ai fait ça en gros pendant des années, depuis mon bureau au fond du jardin à Aix-en-Provence, à téléphoner à des inspecteurs des aéroports en vacances de Noël pour leur dire « Alors, vous n'êtes toujours pas passé à Ikundi ?» J'ai fini, j'arrive. Donc ça, c'est... Alors, c'est arrivé un autre truc, c'est qu'en 1997-18, j'ai reçu un petit papier griffonné disant « Pierre, le soleil a tout brûlé, c'était El Niño, la sécheresse, le soleil a tout brûlé, il n'y a plus rien à manger, le gouvernement ne nous aide pas. » Grâce à des aides multiples, j'ai pu arriver là-bas avec un hélicoptère et une tonne de riz. Et entre-temps, donc c'est... Là encore, la catastrophe absolue. Il y avait une famine dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée. Et quand je suis... Entre-temps, un documentariste avait découvert les gens chez qui on travaille, mais ceux qui sont un peu isolés, ils avaient découvert des gens à l'âge de pierre. Ça, c'est pas grave, on a le droit de trouver des gens à l'âge de pierre, mais qui mettaient leurs doigts dans une flamme parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas réelle. Ça fait un peu étrange, parce que le feu, c'est 450 000 ans. Qui prenaient une cuillère à l'envers et des choses comme ça. Donc, ça nous avait beaucoup, beaucoup agacé. Donc, j'ai protesté. Donc, je vous apprends, vous avez au moins retenu ça de mon exposé. Il faut, quand vous protestez, il faut faire attention aux mots. La loi française protège les hommes et les femmes. Vous pouvez critiquer les œuvres. Le prochain livre de Lemonnier, qui sortira en 2022, n'apprendra rien sur les barouillas que Godelier nous avait déjà exposés il y a 40 ans. Libre exercice de la critique. Mais si vous me dites, même de façon indirecte, dans le temps, les gens étaient plus sérieux que ça au CNRS, j'attaque en diffamation et je gagne. Donc, le documentariste ne m'a jamais fait de problème aucun, mais le monsieur de TF1 qui avait montré le film, comme j'ai dit que c'était un mauvais journaliste, un pseudo-reportage, un blablabli, un blablabla, j'ai été gravement condamné. Cela dit, depuis ce jour-là, on ne montre plus de films de l'homme à l'âge de pierre, et là, l'hélico, je l'ai amené en pilotage à vue chez les hommes à l'âge de pierre, ce qui est une espèce de satisfaction. On a fait un livre pour bien montrer que ce n'était pas des sauvages à l'âge de pierre un peu bébêtes, qui est celui-ci. Et cette dernière image, c'est juste si vous nous expliquez en quoi ça a changé votre vie. Si je vous explique pourquoi ces gens-là s'engueulent, je vais avoir des larmes dans les yeux. Ils étaient copains, c'était la même bande, c'était co-initiés. Maintenant, il y en a un qui pique dans la caisse, le deuxième qui veut continuer à percer le nez des enfants, alors même que je lui ai expliqué 50 fois qu'il y avait le sida et qu'il ne faut pas balancer un poisson dans le nez de 24 mômes ensemble quand il y a du sida dans la vallée. L'autre continue à planter des bananiers sur le seuil de piste. Et, bref, la modernité ne me passionne pas totalement. Voilà, donc c'était mes trois histoires. Et pardon pour les 2 ou 3 minutes que j'ai volées scandaleusement. Pardon. Suite. Non, y a pas de... Tu veux l'objet sacré ? Bah, peut-être. Et il faut appuyer sur ? Sur vert. Sur vert. C'est pas... Bien.
Alors, vert. Bien voilà, moi je vais vous emmener en Amazonie et puis aux Nations Unies pour évoquer les raisons de mon engagement auprès sur la question des droits des peuples autochtones. Et je rencontre dans les années 80 une société nommée localement par des termes péjoratifs, reçue des métis voisins, orejones, parce qu'ils portaient des grands ornements d'oreilles, comme vous voyez dans la barque. Et c'était un processus d'initiation qui les faisait ressembler à l'une. Et puis le second était le terme coteau, qui désignait le singe hurleur dont le poil fauve rappelait les couleurs rouges qu'il portait sur le corps. Alors à mon époque, l'initiation masculine avait complètement disparu suite aux violences des non-autochtones qui d'abord exploitaient ces porteurs de grandes oreilles, qui les dénigraient, puis qui se sont aussi amusés à trancher les oreilles pour les civiliser. Quant à la peinture au roucou, sous l'influence des différents évangélisateurs, elle a été abandonnée sur les corps nus au profit des vêtements dits civilisés, un terme rendu en espagnol par le mot cristiano. Alors avec le travail que j'ai réalisé dans ce monde, Maïruna, pendant 36 mois de terrain, et puis après dans les archives missionnaires et coloniales et religieuses, j'ai encore fait 10 mois d'enquête. Et eh bien, après tout ce travail-là, ils reprennent finalement leur nom de Maïruna, qui veut dire « nous, les êtres humains ». Et alors, lors de cette enquête, moi j'étais assez jeune, enfin j'étais plutôt très jeune à cette époque, et j'enquêtais sur les rapports entre les hommes et les femmes, et j'observe que la société Maïruna, Tucano occidentale, a bien changé par rapport à ce qui est décrit par les anciens avec qui je parle et qu'elle se distingue aussi de ce qui est décrit par les ethnologues qui travaillent sur des sociétés de la même famille linguistique ou voisines dans la même région et qu'elle est prise dans une dynamique de que les amazonistes à l'époque ne travaillaient pas trop à ce qui m'a motivée finalement à travailler en anthropologie politique, c'est aussi que j'ai eu une formation, double formation, Sciences Po en ethnologie à l'École des hautes études, j'ai aussi des formes d'engagement personnel, il y a des choses qui me révoltent, il y a le sentiment d'injustice que je peux ressentir et ce sentiment de révolte, disons, ne m'a pas quittée. Alors, pendant cette enquête que j'ai menée entre 79 et 85, je soutiens ma thèse en 86, donc c'était vraiment il y a très longtemps, je recueille une très riche mythologie, j'observe des rituels de reproduction sociale qui sont encore puissants, donc j'en mentionnerai juste deux qui sont très importants, qui est la fête du pifoyo nouveau, qui est un fruit de palmier, Minya Inegono, qui est un rite de communication entre les mondes terrestres et célestes, entre les vivants et les morts, et les esprits. Et puis il y a le Minya Hasogono, qui est la fête du manioc nouveau, qui ouvre au jardin, les premières ressources, les premières récoltes horticoles. Et c'est un rite d'échange, là, entre les humains et les êtres de la nature, pour mettre rapidement un mot là-dessus. Et à ce moment-là, j'observe aussi que les Maïruna ont été le territoire des Maïruna a été l'objet d'une titularisation collective, mais que les Maïruna ignorent tout de ces titres de propriété. J'ai pu les consulter au ministère de l'Agriculture parce que j'étais une jeune anthropologue occidentale en formation. Et pas eux, donc c'était quand même un peu scandaleux. Et puis quand je leur en parle, cela m'attire une vengeance de la part des patrons métis qui voyaient d'un très mauvais œil que j'éveille la conscience des Maïruna quant à l'existence de tels droits, parce que ça les empêchait, de poursuivre leur logique d'extraction des ressources forestières principalement, et aussi les logiques d'endettement dans lesquelles ils tenaient les Maïruna et qui leur permettaient, de faire travailler ces gens sans limite pour eux. Alors ce temps est marqué pour moi par la décision de ne pas simplement travailler sur les questions de genre, mais ensuite aussi de travailler sur les formes instituées des rapports de domination et partager un engagement que je retrouve dans des organisations de soutien aux peuples autochtones qui se créent à cette époque et qui me permettent effectivement de tenir de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait. Et à l'époque, il y a plein d'anthropologues en France
France ou plein d'ethnologues en France qui sont totalement indifférents à ces questions-là. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont très sensibles et qui se rapprochent de ces organisations comme Survival International ou The International Work Group of Indigenous Affairs. La cause des Indiens rassemble certains à cette époque, mais maintenant, c'est plutôt la cause de l'Amazonie qui va rassembler plus largement. Quand je reviens chez les Mayruna en 2013, donc bien des années après, je vois que l'État a déployé différentes formes de contrôle de cette population tout en laissant libre l'exploitation de la forêt par les bûcherons et puis aussi son usage par les narcotrafiquants. Alors, il y a bien une loi qui met en œuvre le principe de consultation préalable que le droit international a introduit finalement dans le panorama des droits humains et des droits des peuples autochtones. Mais en même temps, la société métisse se fait beaucoup plus pressante, le territoire de vie est en péril, les savoirs s'effilochent et le maïkinki, le parler des humains, est en train de se perdre. L'école ne transmet plus les connaissances des maïkhuna, elle ne permet pas non plus de prendre une digne place dans la société péruvienne. La dépendance à l'argent et aux produits du marché n'entame pas seulement l'autonomie, elle les rend pauvres et elle les rend aussi désireux de tourner le dos à leur être indien. Alors j'ai pris la mesure de cette aliénation qui ne touche pas que les Mayruna, hein, mais en travaillant à grande échelle, à l'échelle du globe, hein, sur les dispositifs politiques et juridiques hérités de la colonisation qui encadrent et entravent, hein, la libre détermination de ces peuples. Et je vois qu'il y a... j'observe une distance entre le terrain affectif qui est très local, le terrain des Mayruna qui me porte depuis 40 ans et qui fait que je me parle en Mayrinki dans ma langue, dans ma tête, et puis le terrain d'analyse des institutions globales qui m'a permis, et cet écart finalement m'a permis de tenir finalement un équilibre entre les savoirs engagés et puis la neutralité académique, et je trouve que la double implication est heuristiquement féconde. Un processus organisationnel s'est mis en place chez les Mayruna qui a vraiment changé radicalement leur organisation sociopolitique. Mais je suis sidérée de voir combien les Mayruna dépendent depuis lors d'un État qui préfère accorder des concessions extractives à des entreprises multinationales plutôt que respecter ses engagements en matière de droits des peuples autochtones. Alors ma familiarité avec les droits, avec les Mayruna au sens strict du terme, puisque j'ai reçu un nom Mayruna, je suis également rentrée dans la parenté adoptive, me permet de voir les écarts immenses entre ce que l'on voit sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain amazonien en particulier, mais c'est vrai aussi sur d'autres terrains autochtones que j'ai pu visiter lors d'une grosse enquête que j'ai réalisée dans le cadre d'un projet européen, et puis ce qui se passe sur le terrain onusien. Et en rapport avec la gouvernance mondiale. Alors, les Mayruna ne vont pas aux Nations Unies, ils ne participent pas aux négociations, mais ils savent qu'il se passe quelque chose. Et ils me demandent non seulement de leur restituer tous les matériaux que j'ai pu enregistrer et graver, ce qui me paraît complètement naturel, et j'ai d'ailleurs publié ma thèse en espagnol en 90, pour qu'ils puissent, se l'approprier, ce qui n'est quand même pas si simple. Et puis, ils veulent également, ils demandent tous ces matériaux pour se réapproprier des savoirs afin de renverser finalement les processus que l'éducation a mis en place, parce que l'éducation tourne le dos effectivement à la culture Mayruna, à la langue Mayruna et au savoir des peuples autochtones. Et c'est à ce moment-là que je commence à mettre en relation les univers du droit dont le langage échappe à la réalité pratique, et puis les déclinaisons en termes de droits des peuples autochtones qui renvoient à des réalités tangibles. Et puis ce droit des droits humains, droit des droits des peuples autochtones s'oppose aux autres branches du droit, qui est le droit commercial ou même le droit public. Alors au tournant du siècle, après avoir travaillé sur la fabrique des élites en France, sur les projets européens, sur la Commission européenne, bon, je vous détaille pas tout ça, mais j'ai aussi travaillé sur la multiculturalisation, sur la mondialisation, et le fait est que j'engage une réflexion sur les stratégies politique des peuples autochtones, leurs négociations internationales, et je m'intéresse à la transformation en acteurs politiques de ceux que l'on a pu voir comme des victimes de l'histoire, qu'elles soient coloniales ou postcoloniales.
Et c'est sur ce terrain, alors que je siège aux côtés, disons, des organisations autochtones et de leurs alliés universitaires, parce qu'il y en a, que je prends la mesure de ce que signifie être face à l'État, au plus près des rapports de force qui débordent finalement le cadre des études classiquement anthropologiques. Alors, d'un côté, vous avez 194 États, parmi lesquels vous avez les plus riches, les plus colonisateurs, les plus puissants de la planète. Puis de l'autre, vous avez une diversité de peuples absolument immense, dans des situations extrêmement variées, dont les représentants et les organisations cherchent à se faire entendre pour que leur situation, qui, disons, constitue aussi la majorité de cette diversité culturelle, soit connue, puis que ces sociétés ne disparaissent pas sous les coups de boutoir, finalement, de la globalisation mercantile qui fait que on va extraire des ressources, que ce soit du pétrole, du gaz, du bois. Et le problème que j'ai eu avec les métis dans les années 80 tenait au fait que j'avais dit ce train de bois-là qui était en train de descendre la rivière, il n'appartient pas à ces gens-là, il vous appartient, ils n'en savaient rien. Et donc, il y avait là des logiques qui étaient vraiment qui perdurent depuis 30, 40 ans, malgré tous ces engagements en termes de droits. Et là, j'observe là qu'il y a une triangulation entre le pôle des États, le pôle des entreprises, le pôle des sociétés et notamment des peuples autochtones. Mais je vois aussi l'absence d'implication des entreprises privées ou publiques, multinationales ou nationales. Je vois que dans les espaces onusiens qui sont dédiés aux questions autochtones, ces gens ne participent pas, ils ne discutent pas. Donc il y a vraiment un double discours, une espèce d'effet de ciseau qui fait que quelque part, on peut aussi crier dans le vide sans se faire entendre. Alors, je ne peux pas trop développer ici, mais mon engagement, disons, pour les droits des peuples autochtones, qu'on les appelle povos indigenas, pueblos indigenas, or indigenous peoples, mais pas peuples indigènes en français, parce que indigène renvoie à une condition vraiment secondaire et que l'on admet à ce moment-là que ces gens-là ne sont pas égaux en droit avec nous, et bien plutôt que de m'enfermer dans la case des savoirs, disons, militants, et bien ça m'a, que la neutralité scientifique reprouve, bien ça m'a permis effectivement de me projeter dans une dynamique beaucoup plus complexe qui me permet de creuser la notion de relation qui habite la catégorie analytique des peuples autochtones. Parce que personne ne n'est peuple autochtone. C'est une catégorie politique, relationnelle, qui permet de comprendre la nature des liens disons, liens sociaux qui rassemblent, mais qui peuvent aussi séparer les groupes humains. Et cette relationnalité peut permettre de penser ce qui serait propice au futur de l'humanité. Donc je vais conclure là, parce qu'en disant que autour de cet engagement, autour de cette implication qui m'a amené des Maïruna au peuple autochtone, aux négociations qu'ils ont en termes de droit aux Nations Unies, j'ai construit un domaine de recherche. Pardon, je voudrais aller à l'envers. Bon. Et je me suis confrontée aussi, et ça c'est assez important, à des conservatismes qui m'ont fait réfléchir à la nature des attachements qui tiennent les chercheurs, parfois dans une langue nationale, dans une culture nationale, mais les enseignants aussi peuvent être tenus là-dedans, les médias peuvent être tenus là-dedans aussi. Et à ce moment-là, ça peut constituer des bulles qui peuvent être très étanches et qui peuvent être aussi très dommageables au futur des sociétés qui, comme l'a montré Pierre, finalement, ont aussi besoin qu'on s'implique pour pouvoir leur permettre de se développer comme elles le pensent, pas comme l'Occident ou le colonisateur ou le dominant le pense. Alors donc ça, ce point-là, ça a suscité une très grosse critique de la part du mouvement des peuples autochtones, critique des catégories utilisées pour nommer les dix peuples, donc on ne les dit pas indigènes, en français on les dira autochtones, critique des usages qui ont été faits, des savoirs confiés aux anthropologues, critique des indifférences qui conduisent le ou la chercheur finalement à s'affranchir des principes d'éthique et de responsabilité. Et je crois que là, on est face à ces obligations aussi quand on est dans ces situations. Alors je pourrais parler mille ans de ces questions-là, mais je vais passer la parole à Leandro qui va nous emmener sur ce prochain terrain. Et je te passe le baton stick. Merci beaucoup, Irène. Je vais vous parler également de mes engagements qui sont finalement assez proches de ceux que Irène vient de vous raconter, parce que nous partageons le même terrain à l'ONU, dans des instances qui vont discuter des droits des peuples autochtones, notamment, dans mon cas, des forums sur les entreprises et les droits des peuples autochtones et tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Mais je vais vous parler de comment je suis arrivé. C'est un témoignage très, très personnel. Moi, j'ai commencé à m'engager pour deux raisons. L'une, parce que j'ai fait ma formation au Brésil. Et au Brésil, être anthropologue, c'est être engagé. Ça va de soi.
Et d'ailleurs, ça peut être très mal vu si on ne s'engage pas dans la défense des communautés auprès desquelles on va travailler. À tel point qu'au Brésil aujourd'hui, les anthropologues rigolent beaucoup parce qu'on dit qu'avant, l'anthropologue parlait des mes Indiens font ceci, mes Indiens font cela. Et maintenant, ce sont les communautés qui disent mon anthropologue dit que. Parce que quand on se retrouve devant un tribunal, les juges ne vont pas accepter la parole des autochtones, que ce soit l'histoire orale, l'ermite, etc. Mais si tout cela est transcrit par un anthropologue dans un texte formaté selon nos canons scientifique, c'est là les juges peuvent l'accepter. Donc, il y a une instrumentalisation aussi de l'anthropologue par les communautés, et je pense qu'il y a des dialogues très fructueux dans cette collaboration. Donc, moi, j'ai commencé mon premier terrain en 2007 chez les Cadjiwel, qui sont devenus très célèbres grâce aux photos de Lévi-Strauss. Moi, j'avais une vision très candide de mon terrain, mais tout jeune que j'arrive dans le centre du Brésil. Et moi, j'avais mes problèmes anthropologiques classiques que je pensais que j'allais étudier. Je pensais à ce moment comment la culture Cadjiwel pourrait expliquer une transition entre les cultures du Chaco et les cultures du Brésil central. Bref, des problèmes très classiques en anthropologie. Mais en discutant avec eux, eux n'avaient rien à faire de mes questions. Ils étaient complètement indifférents du fait que j'étais anthropologue. J'avais du mal à engager des discussions. Ils étaient très polis pour me dire que ça ne les intéressait pas, mais je sentais quand même un désintérêt complet de leur part par rapport à mes questions. Mais en revanche, quand je leur ai expliqué mon parcours, parce que j'allais me présenter, et donc je disais que j'avais une double formation en anthropologie, mais aussi en droit, là, les côtés droit, ça les intéressait beaucoup. Et là, il y a eu un intérêt des Cadjiwel pour ma présence chez eux. À ce moment-là, ils étaient très inquiets du fait que sur leur pièce d'identité, il ne figurait pas des mentions qu'ils étaient des autochtones. Il y avait bien sûr dans les registres de la FUNAI, de l'Agence des affaires autochtones, des mentions à l'ethnie, ce qu'on appelle dans les cadastres l'ethnie des Indiens, mais cela n'est pas une pièce d'identité, c'est juste un rapport administratif. Eux, ils voulaient que sur leur pièce d'identité figure la mention autochtones, pour prouver qu'ils avaient besoin de prouver qu'ils étaient autochtones, parce qu'au Brésil, c'est pareil partout dans le monde, les autochtones, quand ils commencent à prendre la parole, quand ils apprennent à lire et écrire, quand ils s'expriment bien dans une langue nationale, quand ils reconnaissent leurs droits, quand ils savent conduire, quand ils votent, ils ne sont plus des Indiens. La société va dire non, c'est des Indiens acculturés, ce ne sont plus des vrais Indiens, et donc ils ne méritent plus des droits spéciaux. Et les Cadjiwel en avaient parfaitement conscience de cela et ils voulaient des pièces d'identité pour dire qu'eux, ils sont des vrais Indiens et qu'ils le seront toujours. Donc, je commençais à travailler un peu à leur demande, mais finalement, leur problème m'a donné beaucoup à penser aussi d'un point de vue anthropologique. Moi, qui pendant mes études à l'université, je ne me suis jamais vraiment intéressé à la parenté. Là, je me suis retrouvé dedans parce qu'ils m'ont demandé donc d'aller expliquer aux juges l'importance de reconnaître qu'ils étaient Cadjiwel sur la pièce d'identité. Et pour pouvoir convaincre les juges, il a fallu me plonger dans des archives pour expliquer justement que les systèmes de transmission chez les Cadjiwel n'étaient pas forcément les mêmes que chez les Brésiliens. Et je menais tout cela en discutant avec eux, et finalement c'était un problème qui m'apportait beaucoup à réfléchir à moi-même. Je me souviens très bien quand je suis arrivé dans la réserve Cadjiwel, il y a cette vue incroyable, c'est une région très très belle. J'avais en tête cette photo de l'anthropologue Berta Ribeiro parmi les Cadjiwel, et je m'imaginais déjà, moi très candide, à passer tout mon terrain dans cet endroit magnifique. Mais au lieu d'être là-bas, j'ai passé la plupart de mon temps dans une ville d'importance moyenne, en fait une ville pas du tout importante, la campagne profonde, plongée dans les archives de la FUNAI, où il faisait une chaleur insupportable. Cette façon de transformer les problèmes des Cadjiwel en mon problème aussi, ça a apporté, je pense que ça, on a pu faire d'une pierre deux coups, parce que ça m'a apporté à la fois des matières à réflexion, mais ça leur portait aussi quelque chose pour laquelle ils étaient demandeurs, notamment de convaincre l'État civil d'accepter le fait qu'ils étaient des Indiens. Et pour cela, j'étais très content parce qu'on a finalement réussi, ça a pris du temps, mais nous avons réussi à convaincre les juges à mettre cette mention peuple autochtone sur la pièce d'identité.
Et les Kadjuars ont commencé à m'apporter d'autres questions aussi. Ils ont complètement oublié que j'étais là-bas pour faire un terrain de recherche anthropologique. Eux, ce qui les intéressait, c'était les droits et les réponses que je pouvais leur apporter. Par exemple, les femmes voulaient protéger leurs dessins parce qu'elles disaient que les gens en ville copiaient leurs dessins et vendaient. Donc, elles avaient une attente économique, mais aussi une attente morale parce qu'elles voudraient être reconnues comme auteurs de leur œuvre d'art. Et moi, je n'avais jamais étudié du droit de la propriété intellectuelle de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai dû tout apprendre de moi-même pour pouvoir leur apporter des réponses aux problèmes qu'ils posaient. Et nous avons discuté avec l'office qui protège les droits d'auteur au Brésil, parce qu'à cette époque-là, aujourd'hui ça a changé, mais là, c'était l'année 2008, on m'a expliqué que la production culturelle des Indiens, c'était de l'artisanat et pas de l'art, donc ce n'est pas susceptible d'être protégé par les droits d'auteur. Et cela m'a beaucoup intéressé, cette question de comment on transforme la culture en propriété, et c'est le domaine de recherche sur lequel je travaille jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à travailler sur cette question auprès des communautés. Les communautés, j'ai donné des formations aussi, et les communautés étaient toujours intéressées sur comment protéger les droits, comment faire reconnaître de sorte que ce que nous appelons leur savoir traditionnel appartient à la communauté et pas au monde entier. C'est-à-dire que les scientifiques ne peuvent pas venir puiser nos connaissances pour un tirer profil. Et cela exclut les détenteurs originels de ce savoir. Et cela m'a porté beaucoup dans la réflexion de mon travail, dans le travail de ma communauté, la communauté scientifique, parce que nous avons aussi une grosse partie de cette responsabilité, parce que nous prenons ce savoir et nous transformons dans un langage qui permet justement l'appropriation de ce savoir, malgré nous, dans un processus qui va de ce que nous appelons de simples savoirs à une production scientifique qui, elle peut être protégée par des droits, des brevets, des droits d'auteur, etc. Et ça m'a fait prendre conscience du rôle des scientifiques, notre rôle dans ces processus qui finit par exclure les communautés d'origine, à la fois de leurs droits moraux, mais aussi d'éventuelles retombées économiques qui proviennent de ces faits. Un autre exemple de mon travail, si j'ai encore du temps, oui. J'ai beaucoup travaillé aussi sur des questions de changement climatique. Et là, c'est un autre exemple, c'est un ouvrage que j'ai publié avec une collègue issue d'un long débat avec la société civile, des juristes, des climatologues, qui souhaitait, il y avait la société civile, en gros, souhaitait poursuivre l'État français et des entreprises par leur manque d'action en matière de lutte contre le changement climatique. Mais les juges français, en discutant avec les magistrats, nous sommes aperçus que les juges français, ils sont très précautionneux, ils sont plutôt hermétiques à tout ce qui est nouveau. Et les juges disaient, oui, c'est très sympa ce que vous voulez, nous sommes d'accord avec tout, mais nous n'avons pas d'outils pour vous apporter des réponses, pour à la fois condamner des entreprises ou condamner l'État français. Et nous avons commencé un dialogue, là vous voyez dans les petits logos, il y a les logos des institutions scientifiques, mais les logos aussi des associations de la société civile, qui nous avons fait des colloques scientifiques pour inviter des magistrats, etc. Et pour produire aussi du savoir, là c'est issu de ce dialogue entre climatologues, juristes, autochtones, parce qu'ils apportent aussi le savoir traditionnel et des ONG, pour produire un ouvrage scientifique donc, qui peut être accepté par les tribunaux, parce que nous avons, en tant que scientifiques, nous avons ce privilège de produire des preuves, alors que la société civile ne peut pas les faire. Et cela a abouti à un ouvrage qui a été publié, et ensuite une plainte qui a été déposée devant les juridictions françaises et européennes. Et pour revenir à ce que Pierre, à la question très intéressante que Pierre a évoquée, à la responsabilité aussi des universitaires, nous avons en France, d'ailleurs pas qu'en France, une nouveauté qui nous est arrivée de l'Amérique du Nord, une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on nous appelle des procédures Bayon, des poursuites Bayon.
C'est le cas quand les universitaires, pas que les universitaires, d'ailleurs la société civile aussi, nous émettons nos opinions pour porter nos valeurs et parfois pour revendiquer tout simplement des droits. Et dans ce cas, des entreprises, des gouvernements ou des individus poursuivent les personnes justement en les accusant de diffamation. Ce qui n'est pas agréable à vivre parce que même si on est presque sûr qu'on aura raison à la fin, ben, c'est une procédure qui dure 3 ans, c'est une procédure très lourde, ça revient à nous d'éprouver que nous avons raison et que nous n'avons pas offensé quelqu'un. Et même si la justice donne, en France au moins, elle protège la liberté de parole des personnes, mais c'est quand même une procédure lourde à porter, coûteuse, et nous portons dans nos dos ces poids pendant des années jusqu'à ce que les juges disent que nous sommes innocents. Et pour finir, juste une autre forme d'engagement aussi, parce que nous sommes dans un musée, je vais parler de comment nous faisons ce travail, nous essayons de faire ce travail aussi au musée. Les musées, c'est un espace où traditionnellement la voix des communautés d'origine a été exclue, et nous essayons en ce moment, et depuis un moment déjà d'ailleurs, de donner un espace aux communautés d'origine. Et là, je vais vous parler d'une exposition qui est à ce moment à la bibliothèque municipale de Versailles, que nous avons construite avec la nation Choctaw de l'Oklahoma, qui a participé à cette exposition. C'est une exposition assez classique qui montre des objets anciens, mais pour laquelle les Choctaw ont contribué et ont porté leur regard et ont pu expliquer au public français leur vision sur l'histoire, leur vision sur la diplomatie, parce que pour eux, ils étaient très contents parce que ces objets ont été des objets d'échange du 18e siècle entre des nations amérindiennes à une époque où elles étaient encore souveraines et les puissances coloniales européennes. Et pour eux, c'était aussi une forme de réengager, de reconstruire une relation nation à nation, de la nation Choctaw avec la nation française. Là, vous voyez les panneaux au fond. Je trouve ça très intéressant parce qu'à droite, vous avez un mannequin. Je pense qu'ici, on va mieux. Un mannequin qui date de la fin du 19e, qui montre justement les stéréotypes des Européens. Qu'est-ce que les Européens pensent que c'est un autochtone? On a fait même des têtes en cire. On a mélangé plusieurs choses qui venaient des cultures différentes pour construire justement cette image que les Européens ont du sauvage et qui était exposée dans les musées. Et aujourd'hui, les Choctaw ont mis ça en perspective avec leur façon de se montrer eux-mêmes. À gauche, vous avez un dessin produit par un artiste Cadwell qui montre à quoi ressemblait un autochtone Cadwell à l'époque. Et à droite, vous avez des fêtes que les Choctaw font aujourd'hui. Ils exposent avec beaucoup de fierté à leur régalia en matière de présentation, d'auto-représentation, de cette mise en scène de soi. Donc, je vous invite à voir l'exposition parce qu'il y a aussi des cartels, les Choctaw parlent des objets, ils parlent justement de comment eux y voient cette collection qui appartient, qui sont préservés au musée du Quai Branly. Je vous remercie de votre attention et je pense que nous pouvons lancer les débats avec la salle. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces rêves que vous nous amenez là. Et je voulais savoir quelle était la limite, enfin le jeu par rapport au statut de l'écriture. Parce que vous nous avez montré trois terrains sur lesquels certainement il y a de l'écrit, mais il n'a pas forcément le même statut. Par rapport à votre engagement, bien sûr. Alors, moi, j'ai écrit
des objets assez différents, des formes assez différentes. La thèse en particulier qui est consacrée au Mairuna, je l'ai traduite en espagnol, mais c'est quand même une thèse très volumineuse, hein, 850 pages, et traduit en espagnol, ça fait donc 2 volumes, c'est compliqué, les Indiens ont beaucoup de mal finalement à s'approprier de cette écriture-là. Et j'ai en particulier souvenir d'un... Alors j'ai donné des petits articles plus courts, notamment sur les chants chamaniques, sur les, etc. Beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus courtes. Et je me souviens très bien d'un de mes compadres, puisque je suis dans ce rapport-là avec eux, me disant, voilà, c'est très très bien comme madre, ce que tu écris là, c'est vraiment intéressant. Mais c'est quoi un rituel? Qu'est-ce que ça veut dire rituel? Et à ce moment-là, il n'emploie pas ces mots-là, il parle de fête, et donc il faut traduire le terme, par exemple, minya une chanson, minya une gono, ça veut dire la boisson du premier pifoyou, du pifoyou nouveau. Ça, nous, on transforme ça en disant fête ou rituel ou cérémonie ou autre chose. Et ça ne rend pas la. Donc on a ce problème d'intermédiation, d'interprétation, pour qu'il puisse se réapproprier d'un certain nombre de choses. Mais cette thèse. Et comme tu dis, voilà, j'étais l'anthropologue des Mairuna, donc toute cette somme documentée a servi pour les négociations avec, avec le gouvernement régional. Ils se sont appuyés sur ces données consolidées, sur ces données scientifiques qui vont bien évidemment au-delà de la question de la description de, de ce rituel-là. Donc ça, c'est très très important. En revanche, dans la question des droits des peuples autochtones, avec un grand programme collectif, on était une dizaine de chercheurs, on a travaillé sur une dizaine de pays dans 4 continents, on a publié sous forme finalement de livres collectifs, où je dirigeais une collection sur ces questions-là, où il s'est agi finalement de porter à la connaissance d'un plus large public, l'enjeu était cela, porter à la connaissance d'un plus large public des données pertinentes relatives au problème de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des peuples autochtones en tant que tels, les questions du territoire, les questions de l'éducation, les questions de ces droits, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Et donc là, c'était véritablement l'enjeu de médiation entre les discours assez techniques, assez de droits, assez figés aussi. Il y a un fétichisme du droit d'une certaine façon pour le faire vivre dans une forme d'écriture et qui était une écriture provenant de chercheurs de différentes origines, y compris autochtones, qui avaient des choses à dire. Et donc ceci venait moduler d'une certaine manière l'écriture que je pouvais faire. Je m'arrête là. Oui, alors dans mon cas, dans notre cas, on est chez des gens qui ne savent pas lire et écrire, pour 95% d'entre eux. Donc effectivement, au milieu de la nuit, au milieu d'un rituel d'initiation, généralement entre 3h30 et 4h du matin, vous avez filmé des gens qui font des trucs, et il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais tu vas faire quoi avec ça ?» Alors il faut leur expliquer qu'on était en train, comme il a été convenu avec leur grand-père il y a quelques années, de faire en sorte qu'une partie de la culture soit mise sous forme d'images photographiques, filmiques et de bouquins. Et tout le monde est très content. Chez les gens les encavés en gaille, il n'y a toujours pas de lecteur de DVD, il y a des panneaux solaires qui ne sont pas reliés à quoi que ce soit. Donc pour l'instant, les films, ils ne les ont toujours pas récupérés. Je les ai montrés, moi, sur place, ce qui est fabuleux, parce qu'ils ont été commentés. Donc j'avais des photos de ça, des gens en train de regarder mon PC et de voir les images. Le livre qu'on a fait de photos, qui est une réponse au documentaire sur les hommes à l'âge de pierre qui n'avaient jamais vu de blanc, chez lesquels j'étais passé 8 ans plus tôt, chez lesquels mon collègue Mimika était passé 20 ans plus tôt. Donc, c'est bien, il photographie toujours la même petite fille à la bouille ronde. C'est facile à repérer. Avec petite fille, jeune femme, maman et tout ça. Bref. On a fait ce bouquin. On leur en a donné 2, un aux femmes et un aux hommes. Ils étaient d'accord pour qu'on fasse ce livre de photos. Et quand on est repassé en 2018, parce qu'on discutait de ce genre de choses, ils ont ressorti le bouquin et toutes les pages sur les initiations avaient été cousues avec un lien, avec une fibre. Donc on était d'accord pour tout montrer aux femmes, mais pas quand même. La question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, et comment les gens changent d'avis, notamment les Barouya de Nouvelle-Guinée, filmés par Godelier d'un Lop, un trésor absolu, qu'il ne fallait absolument montrer à personne il y a 40 ans et 50 ans, et qu'il faut vraiment faire du fric avec aujourd'hui, ça demanderait un autre débat. Donc côté écriture, moi, donc, ce livre, il est bilingue, hein, mais ils en ont 2 exemplaires, mais ça s'arrête là. Quand quelqu'un saura lire, ça ira beaucoup mieux. En revanche, j'ai écrit des articles uniquement pour le grand public, enfin pour le public français. Donc j'ai écrit un truc qui s'appelle « La chasse à l'authentique »,
Il y avait à la fois les fanatiques de l'anthropologie historique de l'Océanie qui me disaient « Mais ces gens-là sont dans le commerce mondial depuis 3 siècles. » Et puis en même temps, les journalistes me disaient « Mais, je cite, « Monsieur Lemonnier est jaloux parce qu'il n'a pas trouvé au cours d'une vie ce que les journalistes documentaristes ont trouvé en 15 jours, à savoir des hommes à l'âge de pierre. » Bref. Donc on a fait ce bouquin pour montrer leur vie ordinaire. J'en ai créé un autre qui s'appelle « Sous le regard de Saint Patogas ». Sur ethnographique.org. Saint Patogas, c'est le saint patron des anthropologues qui font de l'anthropologie avec leurs pieds et qui vont y voir. Parce que là aussi, c'était horrible. Il y avait c'était Nicolas Hulot, c'est vraiment très bien. Il y avait un film de Nicolas Hulot en 2002. On voyait à la fois des hommes qui étaient à l'âge de la pierre taillée et les autres étaient à l'âge de la pierre polie. En fait, c'est la même pierre 15 jours plus tard, en l'an 2000. Bref, j'avais réagi à ça. Et puis, j'ai écrit un bouquin sur les funérailles du bulldozer, un texte sur les funérailles du bulldozer. Mais le retour, alors c'est que c'est dur à comprendre. Moi, j'ai des collègues travaillant en Nouvelle-Guinée, il y a 15 ans, disaient « Si tu veux savoir si la piste est en bon état, t'as qu'à leur téléphoner. » Téléphoner à qui ? Comment ? Donc, les DVD, ils sont là. L'ordinateur, il arrivera, on le paiera le jour où, mais pour l'instant, ils ont juste 2 exemplaires du bouquin, en étant convaincus d'ailleurs qu'il n'y en a que 2, alors que comme il se vend très très bien, il y a encore des centaines d'exemplaires invendus. Donc c'est ça le retour. Mais sans quoi, ça n'a pas modifié ma pratique professionnelle. On a juste un peu accéléré la modernité. La modernité, je vous rappelle, c'est l'État qui dit qu'il ne faut pas se battre, l'Église, la mission qui vous dit que vous avez une âme et qu'il faut la sauver, le marché qui vous dit que ce serait bien d'aller travailler en plantation pour gagner un transistor au bout de 2 ans de travail, la santé, les gens adorent la santé, et l'école qui bouleverse tout à jamais. Les gens, ils sont effectivement en train de rentrer à toute petite vitesse de la modernité, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, de mon cas, la restitution auprès des communautés avec lesquelles je travaille, c'est très, très varié. J'ai sollicité fréquemment pour donner des formations en droit autochtone, et j'ai déjà travaillé avec des communautés où j'ai trouvé des personnes qui connaissent plus les sujets que moi, soit parce qu'ils ont fait des études, soit parce qu'ils ont une expérience pratique fait de sorte qu'ils ont une connaissance que moi, je n'ai pas. Mais j'ai déjà aussi donné des formations à des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une enveloppe. Donc, je pense qu'il y a des règles générales, c'est très varié. Et juste pour évoquer cette question de restitution de travaux, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Les institutions qui conservent des archives, des anthropologues, nous avons un matériel qui parfois est demandé par la communauté, parfois ne l'est pas, parfois la communauté ne veut pas recevoir ce matériel, parfois ils veulent recevoir sur certaines conditions, par exemple les champs qui ne peuvent pas être écoutés par des femmes. Et dans ce cas, la communauté doit se réunir pour décider comment on va recevoir ce matériel, comment cette information va circuler. Juste pour vous donner un exemple très précis, et aussi, mais cette perception de communauté elle change dans les temps. C'est ça qui est intéressant aussi. Nous ne pouvons pas dire les autochtones, la communauté est ça, parce que ça change constamment. Là, en ce moment, nous avons les objets Bororo collectés par Lévi-Strauss qui sont exposés au musée, dont un objet, Lévi-Strauss a écrit un article sur ça, c'est un objet dont la vue est interdite aux femmes. Et donc, moi, j'envoie une photo au Bororo pour demander à des hommes Bororo pour demander est-ce que ça vous embête que cet objet soit exposé ou pas. Et les bourreaux disent, bon, on va voir, mais en principe, non. Et là, j'ai retrouvé hier sur Facebook la photo de cet objet publiée et toutes les femmes bourreaux sont en train de liker, de faire des commentaires. L'objet est super, etc. Donc, la communauté change aussi. Je pense que c'est très important pour, à la fois pour nous, universitaires, mais aussi pour les institutions qui détiennent ces collections, que ce soit des archives ou des objets, qu'on mène cette réflexion avec les communautés d'origine pour que ce ne soit pas une décision prise de façon unilatérale. Stéréo, prenez-en 2. Bonjour, je suis là. Je vous remercie pour vos interventions et vraiment je suis très admirative de vos engagements. Je voulais vous poser une question peut-être un peu plus pratique. Donc j'ai bien compris que c'était des engagements qui étaient personnels dans le cadre de votre recherche, mais je me demandais quelle était votre position au sein de vos institutions de rattachement, au sein de vos laboratoires. Est-ce qu'ils sont engagés à vos côtés? Est-ce qu'ils vous suivent dans vos combats presque? Voilà, je vous remercie.
Oui, mon institution, c'est et ça reste encore le CNRS. Donc, quand vous avez un procès qui coûte 15 000 euros d'avocat et 1 euro de dommages et intérêts, le CNRS est à vos côtés. Vous avez acquis et agi dans le cadre de vos fonctions. CNRS est à vos côtés et voilà. Donc ça fonctionne bien. On vous dit simplement, j'espère que tu t'es pas gouré, qu'ils n'étaient vraiment pas à l'âge de pierre, mais les gens vous aident. Et quand vous dites, j'ai un colloque au Japon, pour 1300 euros de plus, on pourrait prendre un Nagoya, Port-Moresby, et aller voir ce qui se passe sur la piste d'aviation qu'on essaye de construire depuis 23 ans. CNRS trouve tout à fait bien que les gens puissent s'engager de cette façon. Et oui, c'est tout. Ils s'engagent à vos côtés. Enfin, ils trouvent ça. Ils sont pas scandalisés du tout. Dieu merci. Moi, je répondrais de manière un peu circonstanciée, parce que je n'ai pas eu de procès, en tout cas dans les Maïruna ou les droits des peuples autochtones. Je pense qu'il faut distinguer l'institution, c'est quelque chose d'assez méga, donc l'institution du CNRS ou l'institution de l'EHESS ne va pas s'engager directement sur un objet particulier en soutien à quelque chose que je pourrais éventuellement... dont je pourrais valoir l'intérêt. En revanche, il y a des collègues qui sont tout à fait intéressés et qui peuvent appuyer, qui peuvent également s'engager. Mais je dirais que l'institution, elle est plutôt intéressée dans notre domaine, finalement, à la qualité de nos travaux scientifiques, à la quantité également de travaux scientifiques que l'on va publier, à la diffusion de ces travaux dans la communauté internationale. Et du coup, la question de la restitution de ces travaux aux communautés qui nous ont portés ou qui ont formulé ces savoirs-là est assez mince. De facto, en tout cas, moi, je n'ai pas pu engager cela. En revanche, oui, il y a des collègues qui sont tout à fait passionnés par un certain nombre de sujets avec qui on peut s'entendre, mais c'est plutôt, disons, des collectifs qui peuvent se former de manière ad hoc, voilà, je dirais, sur ce point-là. Je partage tout à fait ce qu'Irène vient de raconter. Je n'ai jamais eu, moi, personnellement, des problèmes avec mes institutions de rattachement. Mais comme Irène disait, l'institution ne va pas s'engager forcément dans certaines choses, mais en revanche, des collègues. Ou elles peuvent s'engager autrement en finançant des programmes de recherche, en finançant des publications, par exemple. Donc, il y a des formes très différentes d'engagement, je pense, d'un point de vue institutionnel. Il y avait quelqu'un là qui était au... Oui, merci. Merci pour vos interventions. Moi, je me pose la question de... Alors aujourd'hui, quand on débute une recherche, on en réfère à notre DPO, à l'université, on a affaire à la CNIL, on a affaire à la RGPD, enfin tout un univers normatif qui protège le droit de la personne, et on ne peut pas le déplorer, hein, bien sûr, mais on doit avoir un travail préalable qui tient compte de tout cet univers normatif qui est en inflation. Et j'aurais voulu savoir, de vos expériences respectives, comment est-ce que ça a modifié votre façon de travailler. Je sais que quand on débute un terrain aujourd'hui, on en est extrêmement conscient, voire obsessionnel. C'est des choses qu'on borde très en amont, sinon on se fait tirer les oreilles par le DPO, par exemple. L'univers normatif a dû considérablement évoluer par rapport au début de vos recherches. Comment est-ce que vous êtes adapté et est-ce que quand vous êtes sur le terrain, vous l'avez en sous-texte finalement dans votre travail de terrain, un travail d'ethnographie, et dans quelle mesure ça biaise finalement, dans quelle mesure ça nécessite un travail réflexif supplémentaire de la part du chercheur? Je suis totalement marginal dans cette histoire. Moi, je suis en 1978, quand je me promenais dans la vallée de Marawaka, enfin, je ne me promenais pas, je cherchais des semi-nomades, pas à l'âge de pierre, mais je cherchais des semi-nomades, et j'ai vu de mes yeux vus des gens se précipiter sur Jean-Luc Laurie et moi en disant « Maurici, Maurici, Maurici !» Un blanc, c'était un godelier, un Maurice.
Donc, il suffisait de dire que je suis de la famille de Godelier, et localement, les vallées s'ouvraient les unes après les autres. Et il y a 40 ans, il fallait demander un visa de recherche. Bon, moi, je me suis coulé dans cette affaire. Mais un jeune chercheur qui débarque en Nouvelle-Guinée, qui doit à la fois avoir l'autorisation d'une tribu qui ne sait pas, enfin, on s'appelle des tribus là-bas, d'un groupe local qui ne sait pas écrire et lire, ça doit être absolument infernal. En effet, on est affilié depuis toujours à l'Institut de recherche médicale, puis au National Film Institute. On a des gens qui sont garants pour nous, mais dans mon cas, ça n'a jamais pesé pour rien. Mais je me souviens d'un collègue, Bernard Juillera, qui avait attendu 18 mois un visa de recherche. Bon, là, c'était un peu spécial, il y avait deux tiroirs, il y avait la moitié de chaque... C'est les instances locales, il y avait la moitié du dossier dans un tiroir et l'autre moitié dans l'autre. Mais il faut surtout demander les autorisations, bien entendu. Mais c'est pas... Et alors, on a un comité d'éthique dans notre centre de recherche et de documentation sur le CNI qui dit tout va bien, mais bon, et puis... Sur 40 ans, ça n'a jamais posé le moindre problème. Et quand vous avez parfois en première page de la presse locale sur un jour, des anthropologues français aident les gens à faire poser les avions, ça vous fait une espèce de... Bon, c'est bon, on n'aura jamais de problème de ce genre. Mais j'imagine qu'encore une fois, obtenir une autorisation de gens que vous ne pouvez pas joindre par téléphone, ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas de la tarte, mais c'est beaucoup de corruption, probablement. Moi, dans mon cas, les recherches que j'ai réalisées entre 79 et 85 chez les Mayruna m'ont amené effectivement à demander des autorisations de ce type, notamment parce que j'étais près de la frontière avec la Colombie, et du coup, c'était une région contrôlée par les militaires, et puis c'était aussi une zone de passage de narcotrafiquants, de choses comme ça. Donc, il y avait besoin d'autorisation de la part des autorités militaires en particulier, mais aussi des autorités civiles. Du coup, ben voilà, on les demande, on y va, mais les Indiens, ils n'en ont rien à faire de ces autorisations. Ça ne concerne pas les Indiens à ce moment-là. Les Mayruna, ils étaient indifférents à cette question des autorisations. En revanche, le contrôle étatique, par exemple, peut passer par là. Une autre situation a été totalement, sur le plan de l'éthique et de la responsabilité, était le cas de ce projet que j'ai piloté, qui était financé par le Conseil européen de la recherche et qui a été financé entre 2010 et 2016. Et là, on rentre complètement dans les nouvelles normativités concernant l'éthique, concernant la manière dont on va s'adresser, etc. Sauf que ce qui est tout à fait passionnant, c'est que les questions éthiques concernent les droits de la personne, les droits à l'image, les droits à la cité, etc., mais absolument pas les questions collectives, absolument pas, etc. Donc, à partir du moment où on protège les individus, on peut largement faire un certain nombre de choses. Et dans le cas des Nations Unies, moi, personnellement, j'avais une équipe qui travaillait en Australie, en Afrique, au Botswana et au Zimbabwe, enfin, dans plein d'endroits. Et on s'est appuyé effectivement sur les dispositifs éthiques qui étaient pertinents dans le pays en question et qui étaient validés par les autorités, par les aborigènes, par exemple en Australie. Il y avait toute une réflexion sur l'éthique, comme il y a toute une réflexion sur les questions éthiques au Canada, et que l'on n'a pas vraiment encore beaucoup, socialisé à l'intérieur de la profession de l'anthropologie, de l'ethnologie, puisqu'on n'a pas du tout envie en France, par exemple, d'adopter ces questions de protocole et de formulaires par lesquels les questions de recherche sont déjà posées à l'avance. On se garde une marge de liberté qui est assez importante pour pouvoir en effet travailler. En revanche, quand j'ai travaillé aux Nations Unies, moi, mon job dans cet ensemble, c'était aussi de piloter l'équipe, mais aussi de travailler sur les niveaux du global et du local, etc. Il faut naviguer à l'intérieur, disons, des dispositifs d'autorisation diverses. Il y a toutes sortes de protocoles qu'il faut connaître et apprendre à maîtriser. Et puis, il y a aussi la question de l'acceptabilité. C'est pas uniquement parce que l'on va avoir à un moment donné rempli tout ce qu'il faut pour pouvoir être présent dans une salle que les personnes qui sont présentes dans la salle vont vous accepter et vous permettre ou d'observer ou de prendre la parole ou d'utiliser librement les matériaux. Donc il faut moi je dirais on navigue à vue à l'intérieur de cet espace.
Dans mon cas, je me retrouve complètement dans la situation que vous décrivez, parce que dans les Amériques, on est obligé d'avoir des protocoles signés avec les communautés. Avant, c'était toujours le cas dans certains États, il faut toujours avoir l'autorisation des États, mais aujourd'hui, c'est toute la communauté qui doit avoir donné leur accord. Et les formes d'autorisation sont très diverses d'une communauté à l'autre. Il y a des communautés qui vont dire, si le chef est d'accord, ok, ça passe. Il y a d'autres communautés, il faut que tout l'ensemble de la population doit discuter pour vous accepter ou pas. Dans certains pays, cela devient un règlement juridique, non, il y a toute une normativité qui peut être assez lourde et parfois très pesante pour le métier d'anthropologue. Comme disait Irène, non, si toutes les questions sont posées d'avance et si on doit rendre compte de nos recherches avec la communauté, quelle est l'image de manœuvre d'un anthropologue pour vous poser ses propres questions? Donc, l'anthropologue doit toujours composer, je pense, avec ce compromis qui peut être à la fois éthique ou juridique. Et pour revenir à ce qu'Irène disait, aux Nations Unies, dans mon cas, par exemple, j'ai participé à plusieurs réunions où j'étais invité en tant qu'expert par des autochtones, soit pour essayer de répondre à des questions juridiques, soit pour essayer à négocier avec les États. Et c'était des réunions fermées et j'ai présencié des échanges fabuleux, des échanges fabuleux d'un point de vue anthropologique, mais sur lesquels je ne peux rien écrire. Et il faut, je pense qu'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons parler et accepter qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas parler, ça fait aussi partie de la réflexion anthropologique aujourd'hui. Moi, je crois que ce qui est très, très important dans le moment actuel, qui était quelque chose de très différent dans les années 60 probablement, c'était que le dialogue avec les communautés, quelles qu'elles soient, est quelque chose qui peut prendre du temps, qui peut être un petit peu embêtant, mais qui peut permettre de la familiarisation et qui, à la fin, peut s'avérer comme beaucoup plus riche sur le plan heuristique, sur le plan des matériaux. Et la question viendra se poser, parce qu'effectivement, les gens peuvent vous dire, mais qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? À quoi ça sert que tu viennes chez nous, etc. Et en fait, on peut un peu tout faire, quoi. On peut apporter des choses, et puis on peut aussi réfléchir, et puis on peut penser que ce que l'on a réfléchi, qui n'était pas posé dans la question immédiate du protocole, machin, peut apporter des réponses qui seront valides 20 ans après, peut-être, ou bien plus tard, parce qu'on a aussi cette capacité, peut-être aussi, à envisager les choses de manière plus globale, plus, disons, diversifiée que si l'on était strictement tenu à l'utilité immédiate du projet que l'on va accomplir. Mais je pense vraiment aux vertus du dialogue. Puis on a des arguments pour démontrer l'absurdité de certaines demandes. La coopération australienne implique que vous rendiez des rapports sans photos montrant les gens torse nu. On ne peut pas empêcher les gens de toucher du fric de la coopération australienne simplement parce que les gens sont torse nus. Enfin, et ils s'inquiètent des torse nus, mais ils ne s'inquiètent pas des engagements possibles. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le pays des dissymétries phénoménales des rapports hommes-femmes. Un ministre, un flic, un instituteur, un infirmier, ça bat sa femme. Je ne suis pas en train de généraliser, mais on pourrait presque. C'est un pays corrompu du sol au plancher. C'est un pays démocratique, mais corrompu. Démocratique, ça veut dire, vous pouvez dire, le ministre des Forêts a touché tant de millions de dollars pour... tout le monde s'en fout, parce qu'il ne suffit pas d'écrire les choses dans la presse pour que ça change la vie. Et deux, on ne vous tue pas pour autant, on ne vous met pas en prison. C'est un pays démocratique, mais totalement corrompu. Le problème général de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est les violences faites aux femmes, c'est l'état lamentable de la santé, et c'est cette histoire de corruption. Et on va vous dire, oh, ben surtout, ne faites pas les photographies torse nu. Il faut quand même un peu réagir à ce genre de choses. Mais il y a un point aussi qui est important. Pour faire ce bouquin, Les tambours de l'oubli, vous verrez sur la première ou deuxième page, vous ne verrez pas, on voit des gens qui signent, ils mettent des croix. En plus de ça, ils s'étaient mis en tenue sur là, c'est formidable, avec tous les trucs, les plumes et tout, bordel. Mais c'est des sociétés telles, les Hangas de Nouvelle-Guinée, que ce n'est pas parce que mon grand-père a signé ou mon frère a signé en disant j'autorise Pascal Bonnemère et Pierre Lemonnier à faire un livre, qu'il n'y a pas un troisième Gus qui va dire je ne vous autorise pas. Même chose pour les films des Barouillas, 23 heures de films uniques au monde et merveilleuses sur les initiations en 69 et en 79. J'y suis allé, là, j'y paye de ma personne, j'y vais. Alors les gars, qu'est-ce que vous voulez faire avec les films? Ah bah alors Pierre, Paul et Jacques, ils pourront aller la semaine prochaine négocier les droits. Arrive le lundi matin et Jean-François, Michel et Henri débarquent. Et on en est là depuis 30 ans. Les Barouillas ne sont pas fichus de se foutre d'accord pour d'envoyer des délégués d'eux-mêmes sur la négociation des droits à propos de ce renversement total.
Godelier n'avait pas montré les films Barouilla au Premier ministre en devenir, Michael Somare, en 1974. Maintenant, ils veulent qu'on montre leurs films, y compris à des femmes. Mais ils n'y arrivent pas. Mais ça, c'est making business, c'est simplement faire du fake. Donc, c'est absolument pas figé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce qu'un monsieur, c'est pas parce qu'une communauté vous donne une autorisation qu'il n'y aura pas des gens 8 jours plus tard qui diront « mais pas du tout, je n'ai pas signé, je n'étais pas là, j'avais mal aux dents ». Et pour compléter effectivement le propos de Pierre, et on va s'arrêter j'imagine après, j'ai souvenir comme ça d'une conférence que l'on avait organisée avec des autochtones francophones de plusieurs origines dans le globe, puisque la France a été coloniale, elle s'est répartie partout, donc il y avait des Kalinyat, des Ko, il y avait des Pygmées, il y avait des Kanaks, il y avait des gens du Québec, des Inuits par exemple, etc. Donc tout à fait intéressant. Les gens du Québec ont dit attention là, s'il faut filmer, si vous allez filmer, qu'est-ce que vous allez faire de nos matériaux, il faut remplir un protocole, etc., etc. Ça a divisé tout le monde parce que tout le monde n'est pas d'accord sur un engagement écrit. Il y en a qui préfèrent des engagements oraux, il y en a qui ne savent pas précisément ce qu'on va faire avec cet écrit-là. Et du coup, il a fallu, là encore, discuter, expliquer, clarifier. Et donc, disons, le formulaire universel, ça n'existe pas et en tout cas, c'est pas pratique. Merci à tous les trois, c'est super. On va demander la prochaine table ronde de venir s'installer. On est désolé, mais la rediffusion sur YouTube nous oblige à être chrono. C'est pire qu'une réglementation. Donc, voilà. Donc, prochaine table, nous allons accueillir Véronique Dacier, Anne-Christine Taylor et Anne Rollin, qui va modérer cette table ronde consacrée à l'attachement au métier de l'ethnologue. Donc, on va poursuivre un peu ces questions, mais autrement. Donc, merci à toutes les trois de nous rejoindre. Je vous laisse. Alors ici, il s'agit d'une table ronde avec deux prises de parole sur l'attachement au métier d'anthropologue, sur un thème beaucoup plus intimiste donc, que ce qui vient de vous être présenté, tout à fait passionnant. Et je pense que, je n'ai pas besoin de présenter les deux collègues qui vont vous présenter justement cette... quelque chose de l'ordre d'un métier, d'une vocation, d'une révélation, je ne sais pas, il y a des tas de termes que l'on peut utiliser. Je pense que je vais tout simplement leur passer la parole. Vous avez la déclinaison de leurs attachements institutionnels. Peut-être on peut rajouter qu'Anne-Christine Taylor a dirigé le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly de 2005 à 2013 et que Véronique Dacier est donc aujourd'hui liée à l'équipe de recherche CNRS, nouvelle équipe de recherche qui s'appelle Héritage, rattachée à l'université de Cergy-Pontoise, après avoir travailler à l'IDEMEC, à l'université d'Aix-Marseille, et à enseigner à Tours, à l'université de Tours. Et puis moi-même, je n'ai que le rôle de modération à faire, donc je prendrai la parole après que vous les ayez écoutées toutes les deux pour lancer le débat et peut-être apporter des compléments sur leur propre parcours, car j'imagine que c'est aussi l'attachement à votre métier que vous allez exposer. Donc, Anne-Christine, si vous voulez, la parole. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour d'abord à tous et merci pour l'invitation à participer à ces journées. Alors, c'est terriblement difficile de résumer en 10 minutes ce qui vous attache
au métier d'ethnologue. Si je devais résumer en une phrase ce qui m'attache à ces disciplines, je pense que je dirais que c'est la façon particulière qu'elle a de composer ou de doser le déploiement d'une certaine tournure d'imagination et de sensibilité esthétique avec un certain appareillage de contraintes ou de règles du jeu qui font d'elle une pratique de type scientifique. Autrement dit, ce qui m'attache à elle, c'est en gros ce qu'on appelle sa manière de construire son objet. Et à mon sens, le noyau dur de cette combinaison dont je viens de parler, c'est la relation d'enquête. Et par cette expression, il faut entendre la mise en place progressive d'un échange entre des réflexivités culturelles, celles de l'ethnographe et celles de ses interlocuteurs, aiguisées par leurs perturbations réciproques. Pour construire ce rapport-là, dont la nature, je l'espère, va apparaître progressivement, il y a à la fois des dispositions à mobiliser, mais aussi des procédures à suivre pour les orienter. Alors, commençons par les dispositions. Pour moi, le moteur de toute cette affaire, c'est une tournure de l'imagination, probablement développée dès l'enfance pour X ou Y raison de parcours biographique, qui pousse à jouer beaucoup avec la question « qu'est-ce que ça fait de vivre dans ce monde-là »« Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça ?» Et cette prédisposition à ce qu'on pourrait appeler l'empathie sociologique ou culturelle, autrement dit, cette prédisposition à toujours se demander « qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça ?» s'accompagne, je crois, de deux choses qui mûrissent de concert. D'abord, une appétence, voire une boulimie relationnelle indiscriminée. On ne veut pas seulement rêver un monde différent, on veut en être, y participer, ce qui suppose évidemment d'interagir avec ses habitants, même si c'est toujours dans l'imaginaire. Ensuite, deuxième chose, une sensibilité à la variation de style culturel, laquelle débouche à l'âge adulte sur le plaisir esthétique ou la jouissance esthétique que procure leur appréhension en tant qu'œuvre de création. Et je me rends compte aujourd'hui que ce qui me retient tout particulièrement dans une production ethnographique, la mienne ou celle des autres, c'est la description réussie de moments ou d'instances de virtuosité culturelle qui peuvent être de nature très différente. Ça peut être un art particulier d'aménager l'environnement, ça peut être un assemblage sociopolitique spécialement ingénieux, ça peut être un complexe rituel intellectuellement et existentiellement audacieux, un type de savoir-faire très raffiné, etc. Et de fait, l'appréhension de ces instances de virtuosité culturelle me procure, je dois le dire, le même type de jubilation que peut apporter la contemplation d'une grande œuvre picturale ou la découverte d'une grande œuvre littéraire. Tout ça, ce sont des prédispositions, sinon nécessaires, en tout cas très utiles, pour développer la relation d'enquête, mais elles ne sont pas suffisantes. Intervient maintenant un premier aspect de cet appareillage de contraintes disciplinaires que j'évoquais tout à l'heure. C'est le postulat de différence entre le monde dont je viens et celui que je veux explorer. On dit souvent qu'à la période classique de l'anthropologie, cet écart différentiel était donné puisqu'elle s'attachait à l'étude de sociétés très éloignées, dites primitives autrefois. Tandis que maintenant, que la discipline s'attache à des terrains familiers, à du proche, cet écart doit être construit. Or, en réalité, il est toujours construit, même si l'on travaille avec des groupes du fin fond de la Papouasie ou de l'Amazonie. Et il l'est toujours car, en réalité, l'exotisme disparaît très vite et le mouvement vers la reconnaissance de la similitude entre soi et son objet d'étude est spontanément bien plus puissant que le postulat d'altérité. Le maintien de cette attitude d'estrangement est pourtant nécessaire car c'est elle qui permet à l'ethnographe, et ceci quel que soit son terrain, qu'il s'agisse d'un laboratoire scientifique européen, d'une association de chasseurs bretons, d'un club de businessmen japonais
ou d'un collectif d'autochtones amazoniens dits tribaux. C'est ce qui leur permet à l'ethnographe de se mettre et de se maintenir en position d'apprenant, donc d'ignorant, auquel il faut tout enseigner. Autrement dit, c'est la clé qui permet l'entrée dans la participation au monde étudié et l'engagement avec ses interlocuteurs. Cette attitude cultivée d'idiot par rapport au monde de ses interlocuteurs a, je pense, deux effets cruciaux. D'abord, en mettant ceux-ci, les interlocuteurs, en position de maître culturel, elle les amène à objectiver des savoirs et des savoir-faire qui resteraient autrement implicites. Et elle stimule par là même leur réflexivité, leur réflexion sur leur propre monde. Or, cette réflexivité, elle est toujours située, modelée par les circonstances dans lesquelles eux et leur collectif se trouvent à tel ou tel moment. Si bien qu'elle oriente l'ethnographe vers des domaines ou des questions qui les préoccupent ou les travaillent particulièrement à un moment T, questions d'ailleurs parfois très différentes de celles que l'ethnographe envisageait entièrement. Et si vous voulez participer au monde de vos interlocuteurs, il faut évidemment les suivre sur le terrain où ils vous entraînent. En ce sens, le terrain, votre objet d'étude, vous choisit, vous, tout autant, voire plus, que vous ne le choisissez. Par ailleurs, et ça c'est le deuxième effet crucial de la fiction de différence entre vous et eux, en se mettant dans la position de participant apprenant permanent, autrement dit, en jouant à être l'autre, l'ethnographe se distancie progressivement de ses habitudes physiques et mentales, bref, de son identité habituelle et de sa culture d'origine, ce qui l'amène, elle aussi, à s'installer dans une posture de réflexivité vis-à-vis de son milieu d'origine. Dès lors, l'exercice consiste à pousser le plus loin possible cette interaction ou cet ébranlement, si vous voulez, réciproque, évidemment truffé de malentendus et de quiproquos, entre des positions spéculaires d'hyper-réflexivité. J'ajouterais que la fin d'un terrain, si elle n'est pas dictée par des raisons purement contingentes ou matérielles, elle se signale souvent par l'une de deux manières. Soit quand on est gagné par le sentiment qu'on n'apprend plus grand-chose, qu'on perd sa capacité à être surpris, bref, que le monde autre devient trop familier, routinier. Soit par le sentiment qu'on arrive à des limites éthiques ou existentielles qu'on ne veut pas franchir. Par exemple, lorsqu'il devient très difficile de résister à une injonction de prendre part dans un conflit armé ou à des sollicitations sexuelles ou à l'implication dans des logiques de pouvoir ou des logiques sorcellaires. Bref, lorsque le va-et-vient identitaire de l'ethnographe et la prise de risque qu'elle implique menace de partir en vrille. Cela dit, la relation d'enquête, cette perturbation mutuelle génératrice de réflexivité, elle ne s'arrête évidemment pas lorsqu'on quitte le terrain, que cesse la proximité physique avec son objet d'étude. Elle se prolonge dans le travail de traduction ou de transduction de ce que la pratique de la participation observante, j'inverse volontairement la formule traditionnelle, de ce que donc cette pratique de participation observante a fait émerger. La traduction prolonge et fait en réalité intégralement partie de la relation d'enquête. Et c'est naturellement sur le travail de traduction que l'appareillage de contraintes disciplinaires s'exerce le plus fortement. En effet, la production d'un document identifié comme anthropologique, que ce soit un texte écrit, un film, un corpus de photos, peu importe, cette production mobilise des compétences dont la compatibilité n'est pas du tout évidente. On a besoin, d'un côté, de ressources artistiques, vu l'importance de la description dans le texte anthropologique. On a besoin de l'art de la narration et de la description évocatrice,
propre au romancier. On a besoin de la densité sémantique propre à l'art poétique. Et ceci, je pense, explique le prix qu'on attache à la qualité d'écriture dans la discipline. En même temps, il faut que ces compétences artistiques soient étroitement harnachées à et contrôlées par des compétences scientifiques pour éviter qu'elles ne virent à la fiction. En l'occurrence, principalement, l'usage intelligent de la théorie à des fins heuristiques et l'habileté comparative, qui suppose évidemment une culture ethnographique développée. Bref, la traduction anthropologique doit se tenir sur une ligne de crête entre deux abîmes, d'un côté celui de la surinterprétation narcissique dans laquelle vos interlocuteurs ne reconnaîtraient pas du tout leur manière de faire monde, et de l'autre celui de la description plate, purement objective, qui ne leur apprendrait rien de ce qu'ils ne sachent déjà. Voilà vraiment en deux mots l'assemblage particulier d'affordances, si vous me permettez cet anglicisme, d'affordances imaginatives et de contraintes qui m'attachent à cette discipline et du coup à la communauté de gens qui partagent cette pratique. Un assemblage qui me paraît être la signature, au sens alchimique du terme, de l'anthropologie, et ce, quel que soit le label disciplinaire officiel sous lequel il se présente. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et... Merci beaucoup d'avoir tenu ces temps et surtout d'avoir évoqué un métier dans lequel la prise de risque est à la fois l'objet d'une fascination, mais aussi peut facilement être dévoyé. Et donc, il y a toujours une crête assez difficile à tenir. Merci beaucoup pour cette évocation. Je passe la parole à Véronique Dacier, qui va nous parler d'une toute autre expérience. Merci beaucoup pour cette invitation dont je suis très honorée. La question m'a permis de me prendre conscience qu'effectivement j'étais très attachée à l'anthropologie. Pour autant, paradoxalement, je me suis rendu compte, j'ai essayé d'analyser, en fait, de faire un petit exercice de réflexivité qui m'a conduit à me rendre compte que je n'étais pas vraiment attachée ni à mes objets, ni même aux théories que je peux utiliser, et encore moins aux terrains sur lesquels je peux évoluer. J'ai effectivement eu des expériences de terrain assez diverses qui m'ont conduite de Versailles aux migrations, des objets tout à fait ordinaires aux grands monuments du patrimoine, en passant par des forêts. J'ai abordé des questions relatives au métier du patrimoine, mais aussi maintenant, plus récemment, aux artistes. Donc ça peut paraître un grand bric-à-brac complètement décousu. Alors il y a certainement un effet que je qualifierais d'opportuniste, puisque ma carrière aussi comporte une grande période de contractuelle qui oblige à aller un petit peu papillonner d'un terrain à un autre. Mais pour autant, si ces terrains et objets de recherche ont été très variés, je pense qu'il y a vraiment un fil conducteur, en tout cas je l'espère, qui unit toutes ces réflexions, puisque je m'intéresse toujours à la manière dont des indices affectifs, finalement, des manifestations affectives individuelles, ce que l'on appelle aussi ici, dans une certaine mesure, relatives à des attachements, peuvent conduire à la production d'une valeur culturelle, alors valeur culturelle au sens large, hein, pas simplement la culture légitime et instituée, mais au sens de culture avec un petit c, je dirais, et enclenche du coup des actions individuelles, mais qui ont une portée collective, et c'est ce collectif que j'essaye de comprendre finalement. Et je dirais ça même si mon questionnement se reformule au fur et à mesure, je pense qu'en fait, dès le départ, c'était ce questionnement-là qui m'a poussée vers l'ethnologie, l'anthropologie. Donc si je suis attachée plus
à une discipline qu'aux objets, je suis, je pense, aussi très attachée finalement à la science, à la démarche scientifique qui consiste à produire un savoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été particulièrement révélé par la période de pandémie, de Covid, et quand est arrivé aussi sur le devant de la scène ces débats scientifiques parfois très stériles, et pour lesquels bon, j'avais aussi une posture assez critique, et je me disais c'est pas ça la science, et j'en étais très affectée. Alors pourquoi l'anthropologie finalement? Alors je dirais tout simplement au départ par aptitude, par simple aptitude et goût personnel. J'aime bien observer les choses, j'aime bien être en retrait et voir ce qui se passe, c'est depuis mon enfance, je dirais. Je suis très mal à l'aise avec les chiffres. Alors, j'ai commencé par faire de la sociologie, que je respecte tout à fait, mais voilà, il n'y avait pas non plus cette affinité du chiffre que je pense qu'il aurait fallu avoir, qui m'a du coup... Et tu parlais de révélation, enfin, pour moi c'était exactement ça. J'ai lu un livre d'anthropologie et je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait, et je ne le savais pas. Donc il y avait une sorte d'évidence. Alors il a été question aussi du décentrement. Alors je disais j'aime bien être en retrait, oui, je dirais, voilà, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'un peu inné, même si ça peut paraître très présomptueux. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi un individu lambda peut avoir cette aptitude innée au décentrement, je ne sais pas. Alors j'y vois peut-être un héritage d'une généalogie familiale, il y a une sorte de transfuge de classe sociale, donc on n'est peut-être pas là où on devrait être dans la famille. Un héritage familial aussi qui conduit à une forme d'interculturalité, culturalité familiale, qui est liée à une histoire coloniale, hein, tout bêtement. Des origines sociales populaires aussi anciennes. Du coup, c'est cet héritage, je dirais, implicite de la posture des invisibles, où on n'est, voilà, on n'est pas là pour prendre part à l'action, mais pour observer. On ne peut qu'observer, finalement. Et peut-être aussi le fait que ben, mes parents étaient fonctionnaires et donc pas d'ancrage territorial fort, puisque, enfin, il y en avait, si, il y en avait des ancrages territoriaux, mais ils étaient très dispersés dans différents endroits et pas forcément là où on habitait. Pour moi, ce décentrement, finalement, est absolument pas lié, ça rejoint ce que vous disiez, c'est pas du tout lié à l'exotisme. On doit le produire plus ou moins facilement, mais c'est bien un impératif disciplinaire. Alors, comment faire du coup? Alors, au niveau théorique, j'ai beaucoup appris quand même avec mon cursus d'anthropologie, grâce aux outils de la réflexivité, l'anthropologie pragmatique aussi, qui me paraît particulièrement féconde, qui permet aussi de s'auto-observer finalement comme autre et s'inclure dans l'analyse. Moi, une question récurrente sur mes terrains, c'est mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et comment, ça rejoint aussi ce que vous disiez, j'ai plus l'impression que ce sont les terrains qui me captent que moi qui les recherche, ils viennent s'emparer en quelque sorte de moi. Mais néanmoins, pas d'attachement au terrain, enfin, ou bien sûr des attachements aux individus que je peux côtoyer, mais pas forcément au terrain eux-mêmes. Et du coup, peut-être du fait aussi de mon parcours un peu chaotique qui fait que j'ai eu d'autres expériences professionnelles avant de devenir anthropologue, un de mes plus grands étonnements en arrivant dans le monde des anthropologues, c'était de voir les effets d'appropriation de terrain qu'il pouvait y avoir. Alors, j'avais d'un côté le modèle un peu enchanté de Minot, où trois anthropologues se partagent apparemment sans heurts un terrain et arrivent à produire quelque chose de magnifique. Et en même temps, mes expériences contractuelles et diverses, j'ai pu observer des conflits entre anthropologues, parfois d'une violence assez phénoménale, par rapport à ce qui peut être qualifié comme un vol d'objets, un vol de terrain, voilà, qui me laissait assez perplexe.
Et du coup, en observant tout ça, j'ai pu me rendre compte que ces conflits apparaissent finalement, me semble-t-il, quand il n'y a pas certitude qu'il y aura une complémentarité des regards. Si on fait la même chose et qu'on dit la même chose, évidemment, et l'enjeu, c'est d'être le plus crédible possible et d'avoir le droit de pouvoir le dire en premier. Alors, ce risque, finalement, se retrouve souvent sur les terrains qui sont partagés entre des anthropologues. Je l'ai beaucoup moins observé dans des situations interdisciplinaires. Et c'est sans doute lié aussi au mode d'évaluation dont nous faisons l'objet, qui sont individuels, marqués par une forte utopie de l'excellence. Donc nous devons être excellents, donc nous le sommes aussi au détriment des autres, bien sûr. Et donc ça établit une forme de concurrence qui se prête particulièrement à ces conflictualités. Une grande surprise aussi quand je suis arrivée dans ce milieu de l'anthropologie, pour moi, avec l'idée simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu un livre, je me suis dit, moi, je veux devenir anthropologue, c'est ça que j'ai toujours rêvé, en fait, de faire, je ne savais pas. Et donc, j'ai cherché comment on devient anthropologue. Et on m'a dit qu'il fallait faire des études, donc je suis allée faire des études. Tout d'abord, un diplôme de l'EHESS, mais ça ne suffisait pas, visiblement, ça m'aurait bien suffi, moi, si on m'avait dit, je peux y aller. Mais il fallait continuer, donc DEA, thèse, etc. Ça ne suffisait jamais non plus, mais bon, enfin, j'ai continué quand même. Et ce qui m'a surpris dans cette démarche de la thèse, finalement, pour l'apprentissage du métier, c'est que on retrouve cette évaluation individuelle. On doit faire une recherche tout seul, enfin, supposément tout seul, mettre bout à bout des résultats et que l'on doit signer tout seul, alors que finalement, tout le travail qu'on a mené d'enquête et le résultat de rencontres, de lectures, etc., on n'a jamais travaillé tout seul, ou ça serait très dommage. Alors, ces conflits, finalement, par appétence, je me suis tout de suite, d'emblée, tournée vers l'interdisciplinarité. Je suis très attachée à l'anthropologie, mais je travaille toujours en interdisciplinarité. On pourrait y voir un paradoxe. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, certainement un confort intellectuel de l'échange. On est moins en conflit avec des collègues d'autres disciplines parce qu'il n'y a pas ces enjeux de l'excellence disciplinaire, finalement. Donc il y a moins de rivalité d'ego, pas de concurrence. Mais aussi, ce qui pour moi est très riche, c'est que finalement, travailler avec d'autres disciplines, cela m'aide à nourrir justement mon regard anthropologique. Qu'est-ce que moi, en tant qu'anthropologue, je vais pouvoir apporter de différent au regard de ce que d'autres font sur les mêmes terrains? Et donc là, il y a un enjeu épistémologique qui me semble important par rapport à cela. Ensuite, par rapport à la réflexion toutes les réflexions qu'il y a eu liées à des terrains exotiques sur la posture postcoloniale de l'anthropologie, peut-être l'idée de ces recompositions qui sont liées à des effets que l'on pourrait qualifier d'une post-mémoire, comme le qualifie Marianne Hirsch, des enjeux d'appropriation qui sont complexes. Moi qui travaille sur des terrains exclusivement français, sur des terrains extrêmement proches, je fais un constat qui rejoint en fait finalement ce qui a été dit sur les situations d'engagement de la table ronde qui précède, c'est qu'en fait tous les terrains que j'ai pu mener n'ont été possibles que si et seulement si les observer, ce qu'on appelle les observer, qui sont ces autres que l'on doit rencontrer, en tirent profit. Alors c'est rarement un profit économique, hein. La recherche n'est pas assez riche pour faire rêver nos interlocuteurs, et quand certains le convoitent, bon, ils sont vite, ils peuvent déchanter rapidement, mais ce sont surtout des profits symboliques. Alors ils peuvent être variés, hein, suivant les interlocuteurs. Ça peut être un intérêt commun par rapport à une thématique, donc on partage finalement des questionnements et la présence anthropologique va y aider, mais aussi tout simplement parfois juste être entre bonne compagnie. Dans mes premiers terrains,
J'ai beaucoup travaillé avec des personnes âgées, retraitées, qui avaient du temps et du coup étaient contentes d'avoir pendant 3-4 heures quelqu'un avec qui discuter. Ça peut être aussi la possibilité d'élargir son réseau social, professionnel, etc. Avec Julie Garnier, sur un terrain, on a ainsi envisagé notre présence auprès de, dans une démarche participative comme la possibilité d'apporter une onction de légitimité aux projets sur lesquels nous travaillons. Notre rôle, c'était d'être là aussi, de tenir notre rôle. Et cette idée de tenir le rôle de l'anthropologue, elle m'a particulièrement sauté aux yeux lors d'expériences plus récentes de sollicitations dans lesquelles on m'a demandé d'être ethnologue ou anthropologue, mais sans terrain. Il y a eu deux cas comme ça complètement différents. Le premier, ça a été la demande qui m'avait été faite d'accompagner un dossier de classement au patrimoine culturel immatériel qui avait quelques difficultés à se faire, qui avait été déjà déposé mais retoqué finalement. Et donc, il fallait qu'un anthropologue soit là pour pouvoir aider les personnes à faire le bon dossier. Du coup, je suis arrivée sur un dossier avec des interlocuteurs nouveaux pour parler d'une pratique dans un dossier, une pratique que je n'avais jamais vue, que je n'ai vue qu'après, finalement, une fois que le dossier a bien pu être classé et retenu grâce à la présence de l'ethnologue. C'est une situation qui questionne. On est aussi anthropologue sans terrain. Et la deuxième situation, ça a été suite à une rencontre avec une artiste avec laquelle j'avais discuté. Nous avions bien échangé lors d'un colloque et du coup, quelques temps plus tard, elle me rappelle en m'expliquant qu'elle travaille depuis des années sur un village. C'est un lieu d'engagement participatif très fort dans sa pratique artistique. Alors, elle fait ce que moi j'appelle du terrain finalement depuis très longtemps sur ce site. Elle a une méthode que l'on peut qualifier d'ethnographique. Elle a un magnétophone, elle enregistre les gens, elle les écoute, elle leur pose des questions. Enfin, elle est très curieuse, très intelligente, elle pose des questions tout à fait pertinentes et elle a une forme de décentrement. Enfin, pour moi, c'est une anthropologue finalement qui s'ignore. Seulement, elle ne se revendique pas en tant qu'anthropologue, elle est artiste. Et donc, pour ce projet, elle avait besoin qu'il y ait un anthropologue. Et donc que je vienne. Alors ce projet, c'était un projet participatif autour d'un collectionneur du village, avec une mairie, une école, tout le monde était mobilisé, elle connaissait tout le monde, enfin c'était formidable, et moi j'arrivais là, je ne connaissais absolument personne, absolument rien, mais je devais faire l'anthropologue et apporter des réponses, je ne savais pas lesquelles, j'étais extrêmement embarrassée finalement par cette situation. Dans cette démarche, il y avait la réalisation d'un film. Le collectionneur devait être filmé dans son univers, avec sa collection, etc. Donc, j'ai joué à l'anthropologue. J'ai essayé de comprendre ce que l'on attendait de moi. Visiblement, on attendait de moi que je pose des questions à ce monsieur pour qu'il puisse faire quelque chose. Et là, j'en ai reparlé avec elle, justement, il y a quelques jours. Et je lui parlais de mon embarras par rapport à cette situation, de cette sorte de mal-être finalement que j'avais pu avoir, et surtout en découvrant que finalement à la fin dans le film j'y étais alors que ce n'était absolument pas prévu initialement. C'était pas gênant, c'était juste un étonnement. Et donc on discutait de ça et je lui dis j'ai l'impression d'avoir joué à l'ethnologue, et elle me dit mais oui, mais dans le film tu avais ta place. Et quand je lui ai dit que je jouais à l'ethnologue, elle me répond « Oui, mais tu posais les questions » et il répondait. Alors, ça a l'air d'idiot, mais je pense que c'est extrêmement important finalement cette réponse. J'étais là donc pour poser des questions, questions qui peut-être ne se posent pas d'ordinaire, parce qu'elles sont assez intrusives. Hein. On pose des questions à un individu sur sa vie finalement et ça va être diffusé dans un film, ça va être publicisé. Et donc finalement, j'étais pas là parce que je suis Véronique Dacier, j'étais là parce que j'avais une étiquette d'anthropologue qui rendait mes questions légitimes. J'étais en mesure de poser ces questions et d'apporter du crédit finalement à cet échange et à la possibilité de libérer finalement cette parole.
c'est pas vraiment une conclusion. Cette question de tout même de pouvoir poser ces questions, enfin, c'est quelque chose que je repère aussi dans ma pratique sur d'autres terrains. Je me suis rendu compte aussi qu'être anthropologue, ça ouvre énormément de portes. Comme je n'étais pas sur ce métier avant, je me suis rendu compte qu'aussi qu'en devenant anthropologue au CNRS, je devenais aussi une personne fréquentable. Et c'est aussi pour ça qu'on m'appelle, enfin, qu'on est capté sur des terrains. C'est parce qu'on est aussi des personnes voilà, fréquentables, même si ce n'est peut-être pas toujours à juste titre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Véronique Dacier, pour cette présentation donc, qui concerne une ethnologie en France, ce qui est effectivement une pratique de plus en plus fréquente que cette ethnologie près de chez soi. Mais qui justement repose la question du décentrement culturel, puisque c'est ça qui nous avait aussi intéressé quand on s'est rencontrés pour préparer cette séance. Et je dois dire que bon, il y a une espèce de consensus autour de cette notion qui a un peu remplacé celle de distance culturelle, dans la mesure où précisément le décentrement culturel souligne le fait qu'il s'agit d'une expérience personnelle. Et que l'anthropologie, c'est quand même étudier les sociétés humaines sur le vif. Et sur le vif, ça veut dire que ben, on en fait les frais, on est dans le bain, on est là. Et bien sûr, on tente de rendre compte de la réalité des autres, qui étaient autrefois radicalement autres, mais qui ne le sont plus du tout, de leur système de pensée, de parenté, leur vision du monde, tous ces vocabulaires, de leur façon de faire, de façon de dire, leurs ontologies, etc., etc. Donc, des vocabulaires extrêmement différents pour parler justement de ce que l'on cherche à faire connaître, mais ça passe par cette expérience très personnelle qui est à la fois, je dirais, épistémologique et puis aussi méthodologique. On se déplace. C'est un déplacement, un décentrement qui nous touche personnellement. Je vais y revenir. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce que Anne-Christine Taylor vous disait, c'est qu'elle disait que l'étrangeté disparaît vite. Et c'est vrai, certainement, pour les sociétés que vous avez étudiées, mais moi qui ai travaillé beaucoup sur la société américaine, nord-américaine, états-unienne, je dirais que c'est presque l'inverse qui s'est passé pour moi, à savoir que, de prime abord, il y a une familiarité qui est de plus en plus grande, d'ailleurs, avec aujourd'hui, et en vérité, plus on travaille sur cette société, plus on se rend compte de son étrangeté et de tout un système de valeurs qui n'est absolument pas celui d'une européenne ou d'une française. Donc je dirais, pour dialoguer, hein, c'est qu'il y a une espèce de dialectique entre la familiarité et l'étrangeté qui n'arrête pas de se jouer et dans lequel on est constamment pris. Et c'est quand même ça, justement, un des risques du métier d'anthropologue, c'est qu'on ne sait plus très bien où on se situe, d'autant plus que, et ce sera ma deuxième question, c'est que, d'une certaine façon, bah, cet attachement au terrain dont on parlait fait que on devient de plus en plus, même sans la fameuse expression « to go native », qui veut dire que l'anthropologue devient un de ses observés, si on peut dire. Et je dirais que même sans du tout avoir cela en perspective, d'une certaine façon, on intègre le monde des autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est un repère intellectuel, mais c'est aussi une sensibilité générale qui fait qu'on devient un peu un autre soi-même. Et cet autre soi-même, eh bien, il se perpétue. Très curieusement, il se perpétue, même quand on quitte le terrain, ou que, voilà, ça fait des années qu'on n'y est plus, ou de toute façon, on y retourne. C'est aussi une des grandes, je dirais, classiques de notre métier, c'est qu'effectivement, ce sont des terrains de longue durée, mais en plus qui sont réitérés, et revisités, et etc. Donc, il y a quand même une relation qui ne cesse de se construire. Et je dirais que, d'une certaine façon, le regard qu'on peut porter sur notre propre société d'origine, entre guillemets, ben il se transforme complètement. Et c'est ça qui fait aussi toute la dimension critique de l'anthropologie.
c'est que on ne peut plus voir notre propre société avec des yeux, je dirais, qui sans distance. Et je dirais, et dans la discussion que nous avons eue antérieurement, c'est vraiment quelque chose. S'il y a un attachement au métier d'anthropologue, c'est peut-être par ça que ça passe, parce que les autres disciplines que l'on adopte constamment, on y reviendra, bien en vérité, elles n'ont pas. Ça, c'est une grande spécificité de l'anthropologie. Et les autres disciplines, que ce soit l'histoire, la sociologie, etc., elles n'intègrent pas cette dimension, en tout cas de façon systématique. Elles peuvent l'utiliser, comme on parle souvent de l'ethnographie maintenant, pour tout un ensemble de disciplines sciences sociales ou humaines. Mais en vérité, ça, c'est quand même une spécificité. Alors, je vais venir à la question de la révélation, de la vocation, de la conversion à l'anthropologie. Et je dirais, et là, je commence à introduire ce livre, puisque c'est quand même cette session est due beaucoup à l'initiative d'Anne Monjarret et d'Aurélien Djakouane, qui, Anne Monjarret en particulier, qui a dirigé ce livre qui s'appelle Carrière, et précisément, elle raconte comment, en fait, l'anthropologie lui est venue de son enfance marocaine. Ce qui est très intéressant, parce qu'effectivement, il y a ce sentiment d'étrangeté quand on découvre, en quelque sorte, le pays, ou soi-disant, auquel on appartient, et qui, en vérité, dans lequel on se sent étranger. Et c'est ce que Véronique a évoqué tout à l'heure, en disant que voilà, cette dimension d'étrangeté peut se construire d'une façon extrêmement différente. Et de façon assez générale, enfin moi, pour avoir été enseignante en particulier à la Sorbonne puis à Nanterre, je dirais que les appartenances minoritaires des étudiants sont une source justement d'interrogation extrêmement importante sur la société française, et que ces appartenances minoritaires, elles conditionnent beaucoup les interrogations et de façon très intéressante. Bien sûr, les entourages familiaux vont sensibiliser à ce type de regard, mais il faut bien souligner aussi que ce sont des conditions extrêmement ambivalentes qui vont pour et contre. Il y a des facteurs favorables et défavorables. Ça n'est pas parce qu'on est dans un milieu où il y a des anthropologues que l'on suit la voie à tracer. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et puis, il y a les rencontres déterminantes. Alors, il y a toute la rubrique dans Le Monde qui nous abreuve régulièrement de « je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas fait telle rencontre ou telle rencontre ». Effectivement, la question de la rencontre est très importante. Et puis, je dirais, et là, je rejoins complètement Anne-Christine Taylor, le rôle de l'imaginaire. Le rôle de l'imaginaire qui est absolument central, parce qu'effectivement, c'est se confronter à un ailleurs, quel qu'il soit, en quelque sorte. Et donc, les lectures anthropologiques, bien sûr, jouent, mais aussi beaucoup les lectures littéraires. Moi, je sais que mon premier terrain est en Algérie, c'est Mouloud Feraoun qui m'y a transporté. Et j'ai noté dans plusieurs des articles de Carrière, des contributions, le rôle des films, du cinéma. Parce que le cinéma, c'est vraiment effectivement un espace d'imagination remarquable, et que le cinéma, qu'il soit documentaire ou qu'il soit de fiction, le témoignage qui m'a le plus amusé, c'est celui de Carmen Bernand, où elle dit qu'en fait, peut-être que sa vocation d'anthropologue lui est venue de la série de Tarzan. Parce que Tarzan, il est poursuivi, son fils est traqué par un anthropologue, et voilà, ça a été une source d'imagination extraordinaire pour elle. Donc, j'aurais aimé poser la question à Véronique Dacier, qui travaille sur le rapport de l'intime aux objets, plutôt le rapport intime aux objets. Justement, est-ce que on a vu dans la présentation précédente, dans les présentations précédentes, je veux dire, ce sens en quelque sorte construit dans la durée et extrêmement chargé du projet scientifique, mais aussi chargé de connaissances extrêmement intimes et aussi chargé de responsabilité. En quelque sorte, il y a une responsabilité qui s'instaure dans ce rapport de connaissances. Et voilà, est-ce qu'on pourrait développer aussi cette dimension qui fait que ce sont des objets vivants
à la différence du travail de l'historien, etc., qui travaille sur des objets qui ont déjà vécu, si on peut dire, qui ne sont plus tout à fait vivants. Alors, on avait aussi évoqué une question qui va rejoindre un petit peu la session précédente, qui est qu'aujourd'hui, eh bien, l'anthropologue n'est plus, comme on l'a dit, justement, on n'utilise plus le terme de distance culturelle qui était très liée à l'anthropologie, je dirais, du centre vers la périphérie. Et au contraire, aujourd'hui, on est dans une diversité de points de vue anthropologiques, puisque eh bien, dans toutes les sociétés qui les nations dans lesquelles autrefois que l'on ne considérait que sous le regard, je dirais, la perspective des terrains, eh bien maintenant partout il y a des écoles d'anthropologie. Et donc comment s'instaurent ces rapports entre collègues de ces sociétés et collègues venant de sociétés de tradition anthropologique très ancienne? Il se trouve que je viens de recevoir une annonce du congrès de l'IUAES, l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques, qui va avoir lieu en novembre prochain. Et là, il y a tout un panel autour de ces questions, un panel dirigé par Virginia Dominguez, et qui se fait sur ce thème des North-South Relations in Anthropology. Et donc, c'est vraiment un sujet très important. Et justement, qui met, je dirais, qui fait se confronter des anthropologues de différents lieux de la planète, et quelles sont les relations que cela induit entre anthropologues. Justement, dans ce rapport, on a peut-être le même objet, mais pas du tout les mêmes points de vue, ni les mêmes points de vue théoriques, ni les mêmes points de vue sociaux, ni les mêmes points de vue politiques. Et ça, c'est particulièrement intéressant. De confronter ça, je dirais, à cette forme de décolonisation de l'anthropologie, parce que c'est un sujet qui est revenu. Dans les années 70, le thème de la collusion, on pourrait dire, entre l'anthropologie et le colonialisme était un thème très, très, très présent, mais qui ne prenait absolument pas en considération l'anthropologie qu'on pourrait appeler nationale. C'est-à-dire des sociétés considérées. Et en quelque sorte, à l'époque, eh bien, on avait l'impression qu'on allait vers la fin de l'anthropologie. Que, voilà, c'est une science qui allait dépérir parce qu'on sortait du colonialisme et que, bon, ben, voilà, avec ce colonialisme qui avait créé l'anthropologie, en quelque sorte, eh bien, on allait en sortir. Or, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une multiplication des foyers anthropologiques. Et donc, maintenant, se pose la question des rapports entre ces foyers. Alors, moi, je dirais que, bon, ben, il se trouve qu'effectivement, j'ai participé à cette aventure des carrières. Alors, évidemment, moi, ça m'a toujours gêné, ce terme de carrière, parce que, bon, je ne sais pas, on ne fait pas de l'anthropologie pour faire carrière. Pour moi, en tout cas, ce n'était pas le cas. Mais carrière, ça a double sens, donc c'est... Et c'est aussi les carrières de sa propre curiosité que l'on exploite pour construire pierre à pierre sa maison. Et donc, je dirais que ces questions de rapport entre anthropologues, eh bien, il se trouve que moi-même, Suzanne Carol Rogers et moi-même, nous avons mis en place une espèce d'expérience anthropologique qu'on a appelée anthropologie réciproque, et où des anthropologues américains travaillant en France et des anthropologues français travaillant aux États-Unis ont un peu confronté leur réalité et leur terrain, et sans occulter le fait que, du coup, ils devenaient les indigènes des autres, et le fait qu'on avait des réactions véritablement d'indigènes face à leurs interprétations anthropologiques, en les contrant, en disant pas du tout, c'est pas comme ça, là c'est tout à fait, voilà, c'est un point de vue qui ne se défend pas. Et je citerai juste la contribution de Suzanne Carl Rogers qui démonte en quelque sorte le mythe de la campagne en France. La campagne est de moins en moins campagne, mais le mythe de la campagne reste
où on va se ressourcer, où on retrouve ses racines, etc. etc., etc. Donc voilà, si vous voulez, une des évolutions de ces rapports, sachant que là, dans le cas de figure présent, bien, en vérité, ce sont deux traditions anthropologiques très anciennes qui se confrontaient, les Américains, les Français, et il n'y avait pas vraiment, c'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres configurations, et en particulier là, le panel dirigé, enfin, oui, c'est ça, par Virginia Dominguez, c'est essentiellement justement avec une confrontation entre anthropologues états-uniens et brésiliens. Voilà, et ben, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais peut-être rappeler avant d'ouvrir le débat, en soulignant le fait que, ben, effectivement, même si nous sommes attachés à cette pratique, eh bien cela, comme vous l'avez toutes les deux très bien dit, cela n'empêche absolument pas qu'on soit aussi redevable à bien d'autres sciences sociales et humaines, la sociologie, l'histoire et pour moi-même la psychanalyse. Et donc ça n'est pas un attachement exclusif. Non, je terminerai peut-être en disant que dans les contributions, il y a une répartition en trois parties, élaborée donc par Anne Monjarret, avec justement des ancrages, ce qu'elle appelait ancrages, c'est-à-dire des terrains uniques de longue durée. Je crois qu'Anne-Christine Taylor en est aussi une représentante. Et puis il y a également, puisque Pierre Lemonnier en a parlé ce matin, eh bien, et la contribution de Pascal Bonnemère, qui a aussi travaillé donc, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, tout à fait au contraire, eh bien, des gens comme peut-être Véronique se reconnaîtraient dans ce que Anne Monjarret a appelé tours, détours et retours, à savoir des terrains qui se déplacent au fur et à mesure des problématiques, des problématiques, oui. Et moi-même, je serais totalement à placer dans cette situation. Et puis des terrains qui bifurquent complètement et qui surprennent beaucoup les collègues. C'est en particulier le cas d'un de nos collègues, Christian Bomberger, qui a travaillé à la fois sur l'Iran, sur le football, sur la pilosité, enfin voilà, pour dire qu'il y a un vaste champ anthropologique et que, eh bien, je conclurai en revenant à l'imagination et que, effectivement, l'imagination est une partie extrêmement, tout à fait décisive de l'anthropologie, peut-être plus que de la sociologie. Voilà. Donc maintenant, la parole est à la salle pour quelques questions. J'ai pas du tout parlé des profits symboliques, mais je dois dire que c'est quelque chose qui, parmi les collègues de votre génération, est de plus en plus important, puisque effectivement, je suis frappée, bon, dans le domaine de l'anthropologie urbaine dans lequel je travaille, je suis frappée par le fait que, si vous voulez, les politiques publiques ayant pris une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, en particulier les politiques de la ville, les anthropologues sont immensément sollicités pour faire en quelque sorte remonter les informations de la base, en quelque sorte, avoir le point de vue des habitants, et se trouvent justement dans une posture extrêmement complexe, parce que, voilà, ils jouent un peu les courroies de transmission et se sentent souvent utilisés comme caution de politique, et donc ça configure une réalité de travail. Il y avait eu une question tout à l'heure justement sur la formalisation des autorisations. Là aussi, il y a une formalisation du métier qui n'est pas du tout évidente aujourd'hui et qui change quand même beaucoup la donne de cette liberté et de cette imagination qui était un peu
la raison d'être de cette anthropologie. Oui, j'ai une petite question. D'abord, merci pour les communications qui étaient, j'ai trouvé, très complémentaires et éclairantes. Une petite question pour Véronique Dacier, qui nous a fait part de terrain qu'elle a été amenée à faire. On avait l'impression, presque contre son gré, il y a eu deux exemples. Et quand elle se retrouve à jouer l'anthropologue de service, par exemple, et je voulais, par curiosité, savoir pourquoi elle avait accepté, finalement. Voilà. Alors, ce n'était pas contre mon gré non plus, mais par curiosité, justement, pour savoir... voilà, je trouvais ça tellement incongru que je me suis dit, il y a quand même quelque chose à aller explorer dans cette situation. Parce que ça éclaire aussi, justement, les rouages de la production culturelle et des alliances qu'il peut y avoir entre anthropologues et artistes. Et donc, c'était aussi une situation de terrain qui permet de l'observer. Merci pour vos interventions. Je poursuivrai la question à mon camarade de droite. Attachement au métier d'ethnologue versus attachement au terrain. En fait, c'est sa question qui m'y a fait penser, parce que vous évoquiez le fait d'avoir fait de la recherche sous contrat au début. Et, objectivement, aujourd'hui, on en est tous un petit peu là. On va plutôt où est le financement. Et par moments, j'ai l'impression que c'est l'attachement à ce métier, même si j'emploie le terme véritablement avec des guillemets, qui nous fait y aller et pas l'attachement au terrain. Est-ce que ça vous est arrivé à l'une d'entre vous d'être sur un terrain, comme a dit une publication récente, sans sympathie, et d'y rester, précisément parce que ce qu'on aime, et je pense qu'on est nombreux à se le dire, c'est pratiquer l'anthropologie, pratiquer les méthodes ethnographiques, et le rapport au terrain finalement s'en trouve... Enfin, l'antipathie qu'on peut avoir pour le terrain s'en trouve un petit peu adoucie, ou alors finalement pas du tout. Y a-t-il des terrains que vous avez quittés en vous disant finalement l'attachement que j'ai pour ce travail-là n'est pas assez fort, le terrain j'en ai marre, c'est pas possible. Je pense pas du tout qu'il faille aimer ou même admirer son objet d'étude. Le collectif, disons, dans l'étude duquel on veut s'engager. Il faut quand même minimalement qu'on perçoive qu'il y a, ou qu'on arrive à maintenir l'idée qu'il y a un mystère qu'il faut explorer. Autrement dit, qu'il y a quelque chose qui va vous prendre dans cet objet. On discutait beaucoup lors d'un colloque récent justement de la question comment est-ce qu'on ferait du terrain, comment est-ce qu'on peut faire de l'anthropologie dans un groupe néo-nazi par exemple. Je pense que c'est effectivement relativement difficile, pas tellement parce que c'est des idées horribles, etc. Donc, mais ça aussi évidemment, mais parce que c'est des mondes probablement assez pauvres et plats, fondamentalement. Mais je conçois très bien que pour des raisons de parcours biographique, personnel, etc., on puisse absolument être hanté par la question de comment on fait pour être néo-nazi, tout simplement. Comment on fait pour se donner ou habiter dans ce monde-là. Donc, c'est pas nécessaire d'être attaché au sens affectif ordinaire du terme, d'aimer ce qu'on fait. Il faut simplement qu'il y ait un mystère là-dedans, qu'on ait envie d'explorer. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'une et l'autre. Si, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire que bon, les terrains qu'on choisit sont aussi liés à vouloir surmonter ses craintes, ses peurs. Oui. Et donc, le mystère de sa propre peur est très, très dynamique. Et donc, beaucoup de chercheurs, j'en parlais récemment avec des collègues, reconnaissent que c'est parfois des mondes qui, bon, ils fascinent, mais aussi, ils terrorisent. Et donc, voilà,
comment dépasser cette crainte, cette peur en l'étudiant. Donc, c'est une façon de le maîtriser, une façon de la maîtriser. Alors, moi, j'ai un petit exemple très concret. Quand je faisais ma thèse, je n'avais pas de financement et on m'a proposé de faire une recherche sur un autre sujet pour un financement. Je me suis donc posé la question. Alors, cette recherche était sur le château de Versailles. C'était un monde pour moi... voilà. Je n'avais pas forcément de curiosité vis-à-vis de ce monde-là et du coup, j'ai beaucoup hésité. Et en fait, je l'ai pris comme un challenge. Je me dis, si tu arrives à faire une recherche qui se tient sur un sujet qui t'intéresse aussi peu, c'est que peut-être tu pourras être anthropologue un jour. Donc, j'y suis allée et finalement, ça m'a permis de déconstruire aussi toutes mes a priori que je pouvais avoir sur l'objet lui-même. Donc, finalement, je m'y suis intéressée véritablement et je ne l'ai pas regretté. Voilà. Oui, je voulais abonder dans le sens d'Anne-Christine Taylor. C'est par modestie ou par pudeur, mais on est simplement passionné parce qu'il y a un truc à comprendre. C'est un truc à comprendre. Ça fait travailler pendant des décennies. L'image que j'ai montrée tout à l'heure de petits initiés encavés revenant auprès de leur maman, alors que les petits initiés Barouya restent pendant 10 ans loin de leur maman, on n'a toujours pas la réponse. Et ça implique de connaître la mythologie, le système de parenté, d'avoir décrit le rituel. Et c'est ça qui fait réveiller tout. Enfin, réveiller, non, mais se lever tous les matins. Il y a un autre aspect de l'attachement qu'on n'a pas, l'attachement au métier qu'on n'a pas souligné, que vous avez évoqué. Qu'est-ce que je fais là? Mais ce n'est pas simplement qu'est-ce qui m'a amené là. C'est qu'est-ce que je fous là? Il pleut, il y a de la boue, il y a des moustiques. Pendant des mois, se réveiller fatigué et commencer à bosser tous les jours, dimanche compris, quand on a fait ça, ce n'est certainement pas pour laisser ses données dormir quelque part. Il en fait aussi partie. Et bien entendu, on est attaché à des gens qui vous ont confié les objets que le soleil a donnés à leur tribu pour que vous les protégiez des policiers, donc des gens qui vous font une confiance absolument inouïe, à qui vous avez laissé prendre vos enfants dans les bras pour traverser des torrents en crue. Ça, c'est l'attachement avec les gens eux-mêmes. Mais je crois que le moteur fondamental, c'est le mystère. Il y a une enquête, il y a vraiment un truc à comprendre. C'est une enquête policière. On a la chance d'être payé pour aller dans des endroits où certains d'entre nous, dans des endroits où les autres ne vont pas, qui ressemblent effectivement au film Le ciel à la boue que j'ai vu quand j'avais 13 ans. Et de surcroît, il y a toujours un machin à comprendre. Je crois que c'est au centre de l'attachement au métier. Et accessoirement, bien entendu, de faire connaître des gens inconnus qui n'ont pas de voix vis-à-vis des autres. Mais la passion de base, pour beaucoup, vous disiez, j'ai lu un livre d'anthropologie, moi j'ai lu l'essai sur la magie du Bérémos, et j'ai dit, je ferais ça sans surtout faire de terrain, parce que je suis casanier, mais ça c'est une autre histoire. Mais la passion pour comprendre un problème, c'est ce qui nous anime, me semble-t-il. Encore faut-il que ce soit la passion pour comprendre ce type d'objet. Oui. Parce que évidemment, un physicien quantique ou un artiste, d'ailleurs, un artiste plastique, va dire aussi, c'est la passion de comprendre les particules d'un côté, etc., etc. Donc, c'est effectivement passion de comprendre, mais de comprendre un certain type de... On pourrait dire, j'allais dire, à hauteur d'homme et de femme, bien sûr. C'est la différence avec d'autres types de recherches qui nécessitent aussi cette passion. Où on y passe ses jours et ses nuits, et on vit avec. Quoi. Voilà, c'est... Mais je trouve que c'est une vraie question. Pourquoi cette curiosité aussi? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cela alors que la plupart des gens, il faut bien en convenir, ne se posent pas ces questions-là. Et c'est pas vital, enfin. Mais on se les pose et on veut absolument avoir les réponses. Il y a quelque chose d'assez oui. paradoxal, finalement. Me vient le titre de quelqu'un qu'on n'a pas du tout évoqué ici, Georges Balandier. Son titre qui
Il aimait beaucoup les titres avec des désordres, des tours, etc. Il en a toute une carrière. Mais le détour, la notion de détour, je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire, oui, c'est une interrogation sur soi-même, toujours, enfin, je veux dire, mais qui passe par les autres. Et donc, c'est cette espèce de, voilà, de circularité de l'interrogation qui est, à mon avis, quand même très constitutive de, par les autres collectifs aussi, même pas uniquement par les autres individuels, par les autres collectifs, et qui est quand même constitutive de ce métier d'anthropologue. Bonjour, je vous remercie aussi pour toutes ces interventions. Moi, j'avais une question, c'était au-delà de l'antipathie, est-ce que justement, il vous est déjà arrivé qu'en faisant des terrains, vous ayez la sensation de vous retrouver trop proche justement par rapport à cette notion de décentrement de soi et de sa culture. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, parce que la proximité peut parfois être au contraire un très bon moyen d'approcher un problème ou une analyse, mais parfois, est-ce qu'il y a des moments où ça a pu être quelque chose qui vous sentiez que soit ça vous prenait trop personnellement et que donc, à niveau personnel, ça vous... justement, le terrain commençait à prendre un peu trop possession de vous et c'était pas bien pour vous-même, ou bien est-ce que c'est aussi, ça pouvait être le cas même pour la recherche en elle-même, est-ce que ça peut... Il y a à un moment donné une limite qui que vous êtes dit, mince, ça a été franchi, ou là, ça va trop. Je suis trop prêt pour voir ce que je suis en train d'étudier. Personnellement, pas vraiment. Je me suis jamais sentie trop proche, mais peut-être qu'il faudrait poser la question à mon entourage qui me reproche de l'envahir un peu trop avec mes terrains et mes questionnements et le temps que je passe aussi sur. Sur la recherche. En ce qui me concerne, oui. J'ai certainement éprouvé des moments où je suis passée par des moments où je me sentais trop prise, pas nécessairement proche, mais simplement trop en danger d'être trop happé par telle ou telle dynamique des gens que je... Oui, ça je pense que ça nous arrive en fait à tous à des moments quelconques. Je parlais tout à l'heure de ce qui amenait éventuellement à une fin de terrain, non pas de terrain en général, parce que, mais à une fin d'une période, d'une plage, disons, d'enquête de terrain, que c'était le sentiment de toucher, d'arriver à des limites existentielles, éthiques, qu'on ne veut pas franchir. Dans mon cas, effectivement, en travaillant chez les Achuar en Amazonie, il est arrivé un moment où c'est une société qui était en tout cas à l'époque encore très très attachée à des logiques de guerre de vendetta, de feuding, disons, conflit armé. Et de fait, dans les années 60-70, donc quand on est arrivé sur le terrain à la fin des années, au milieu des années 70, il sortait d'une période de conflits armés très intenses, avec un taux de mortalité très très élevé, et c'était donc quelque chose qui était encore très présent dans leur univers. Et il est arrivé à un moment où effectivement, on essayait le plus possible de rester neutre. Dans ces conflits, de ne pas prendre parti, il est arrivé un moment où cette réponse qu'on bricolait en disant oh, mais on peut pas, c'est pas nos affaires, c'est pas mon parent, c'est pas pourquoi est-ce que je pourquoi est-ce qu'on aiderait ou on serait complice
de son homicide, c'est pas notre parent, et puis de toute façon, nous, c'est, pour nous, c'est interdit, et puis l'armée risque d'intervenir, etc., etc. Il est arrivé un moment où ce genre de réponse est devenu littéralement inaudible pour nos interlocuteurs, en ce sens que dire qu'on ne pouvait pas prendre parti était en lui-même une façon de prendre parti, était perçu en tout cas comme une manière de prendre parti. Là, on arrive à une situation de game end, fondamentalement, parce qu'il n'y a plus moyen de s'en tirer, à moins justement de devenir complice, en l'occurrence, ou d'être dans une position de, où on ne peut pas, où on ne va pas dénoncer quelque chose que, évidemment, on dénoncerait dans... dans, auquel on ne participerait pas dans sa propre société. Il y a aussi, dans un tout autre registre, le sentiment de trop grande familiarité, de trop grande proximité. C'est peut-être l'occasion d'évoquer un ressenti qui est quand même très fréquent, notamment chez les anthropologues qui passent longtemps sur des terrains un peu lointain, autrefois dit exotique, c'est l'ennui. Le fait est qu'on s'embête très souvent sur le terrain, surtout quand on ne peut pas en sortir et qu'on n'a aucune privacy, c'est-à-dire on est dans des maisons et on ne peut rien faire d'autre que d'être là, que de vivre avec eux, que de... S'ils n'ont pas envie de parler et si, ou s'ils partent faire des trucs, on reste là et on n'a rien d'autre à faire. Et c'est dur de... Et on n'arrive plus à susciter ce sentiment de... bon, il faut vraiment se donner des coups de pied pour dire, bon, ben, je pourrais en profiter pour aller mesurer des jardins, ce qui est vraiment barbant, ou on pourrait en profiter pour aller faire, demander à un tel, faire une enquête généalogique, auquel l'interlocuteur va répondre mollement, parce que ça n'intéresse pas à ce moment-là. C'est pénible à vivre sur le moment, et en fait, a posteriori, dans ce moment justement où on commence à travailler ce que j'ai appelé la traduction, c'est-à-dire la restitution sous forme d'un document, on s'aperçoit que ces moments d'ennui sont extraordinairement, à condition qu'on arrive à prendre une position de réflexivité sur ces moments d'ennui, sont extrêmement instructifs et extrêmement utiles. Et en plus, surtout, qu'ils traduisent le fait qu'on commence à, même avec réticence, mais qu'on commence à être pris et à ressentir le poids d'une certaine forme de temporalité, de rythme d'existence qui est évidemment central pour les gens avec qui on travaille. Pour un natchoir, le mot même et la notion d'ennui n'existent pas, évidemment. Et du coup, autour de cette affaire d'ennui et d'apparent, il ne se passe rien, en réalité, il se passe beaucoup de choses, à la fois pour l'ethnologue sur le moment, mais il ne s'en aperçoit pas, mais après, au moment de la réflexivité traduisante, si j'ose dire, devient important. Oui, merci. Mais j'apporterai juste, voilà, on termine, j'apporterai juste le contrepoint de ce qui vient d'être dit, puisque moi, je travaillais à New York, en particulier au lendemain des attentats du 11 septembre, et donc là, il n'y a pas de question d'ennui, mais il y a la question, comme disait Jeanne Favre-Saada, d'être affecté. Et effectivement, il y a une espèce de spirale d'empathie pour des situations catastrophiques qui fait qu'au bout d'un certain temps, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est un peu ça, où on est complètement pris par la situation et on ne peut plus écrire. Je veux dire qu'on s'embarque, là c'est dans des attentes institutionnelles, ça rejoint ce que toi Véronique tu disais, des attentes institutionnelles, de création de mémorial, etc. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce que c'est quand même, voilà, il y a un passage à rentrer dans les institutions,
À tous les niveaux, il y a des institutions, que ce soit des mémoriaux à New York ou que ce soit des vendettas, c'est des institutions locales. Et est-ce qu'on ne franchisse pas ou on ne le franchit pas? Et c'est la question. Ouais. Merci beaucoup. Juste un petit point d'information pour vous dire qu'on se retrouve toutes et tous ici à 14h pour un nouveau temps consacré aux mouvements sociaux. Un petit mot à nos amis qui nous écoutent sur YouTube. Pour eux, la session ne reprendra exceptionnellement qu'à partir de 15h. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, merci, bonne pause et puis à tout à l'heure. Ah oui, aussi, j'en profite pour vous dire que celles et ceux qui souhaitent suivre nos travaux plus réguliers dans le cadre de la CEF peuvent évidemment adhérer à notre association. Voilà, merci.